Très bien, nga créni guiné ramel bi med fouri ce sama ngéna Malick Camara to invité na wengi rabé singéné karabeli mais fama question na abordé de wombé non seulement en français et ensuite en soussou également, pour nous expliquer brièvement de ce qui se passe aujourd'hui, c'est-à-dire le fonctionnement de notre système judiciaire en Guinée. Et ce monsieur Ibrahima Sori de Touré, le libérateur. Un juriste, journaliste indépendant et ensuite consultant. En même temps, c'est lui qui était le vice-président de la société BSGR, Biri Nakolon, en Guinée. C'est lui notre invité du jour. Han Wonga Fama, partagez au maximum dans les groupes. Faut Wonga Fenende Bana Krara. Pourquoi? Parce que ici, ce Somanga ne reçoit que des personnes utiles dans notre pays, dans notre société. Compétents et avoir la conscience professionnelle. C'est des personnes-là qu'il nous faut aujourd'hui. Parce que notre système judiciaire est à terre. Complètement foutu. Parce que on manquerait de professionnels et nana. Quand on a fait, on m'a invité à Rili, on a reçu Féné. On a reçu Véné et partagé dans le groupe. Yandi. C'est très important. Parce que les femmes, c'est des personnes de ressources qui peuvent nous éduquer, qui peuvent nous enseigner. You know? Surtout d'ailleurs, la justice guinéenne. Vous avez écouté mon frère Fodé, et aujourd'hui on a encore un autre frère ici, le patron des patrons. Ibn Adame, Ibn Adame. Parce que, ceci dit, il n'a pas de saucé, il n'a pas de saucé. Parce qu'il n'a pas de saucé. Il n'a pas de saucé. Il n'a pas de saucé. Fait faim, il n'a pas de saucé. 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 Maintenant, c'est ça, mon affaire. Ah, on m'a invité, Tongo. M'a société Biri Mahandi. N'a tangi. L'air est grave. N'a pas tangi. On t'y n'a pas de tangi. On t'y n'a pas de tangi. On Guinée, bah, ba. Parce que, au Biri Mbarato, fait, ça fait qui n'a faut on a solution l'enfant pour arrêter ça. Et la solution, tout m'a dit. Faut on fait ensemble. So, c'est mon fils, c'est aussi bien. On brinque. On va aller dans la bâme, dans l'enfant. Donc, il t'en a dit. Il m'a compris, il faut comprendre ça. Il m'a dit que je suis un gars. Mais tout n'a pas dit que je suis un gars. Abiruluna kandi yadena refa mula masone ya wana. Wonga fa, wonga mato, ndi no matide yare, gire nana sofe, wonga se med, non di nana, gire nara. Paske, fote nana ma substitution. Imu noma, population remplace de population na, gire nara. Et vous avez vu,
Idi Amin et Bala, comment eux, les deux, la fonctionnent vis-à-vis de nous. Amouyarama. Très bien. Sans plus tarder, parce que notre invité d'aujourd'hui, là, Akumbode, alors là, le nere d'Angiri, Pirin Kiri, comme Singenara, on va ouvrir main, a fait pour Adama ya Falaumbe. Parce que, ni, et la Guinée Colomb, et Colonier Makinere, Sari Mirinera, allo, Nribara Dangibe, et explique Wombe, allo, la Mare explique Kinere. On sene, autant en Yetinabe, Yandi, venez. On m'a invité à Nakraï, à Fafi. On m'a voulu y recréer. Alors qu'on m'a fait d'aider à aborder des kinaré concernant notre pays. Allô? Oui, allô? Eh, hey, monsieur Touré, Innocene, bonjour. Bonsoir, sur vous. Très bien, vous avez notre invité aujourd'hui, monsieur Ibrahim Assouri de Touré, IST, un juriste indépendant, journaliste en même temps, et ancien vice-président de la société BSGR. BSGR, je pense, la Guinée Kabira Colon. Aujourd'hui, notre thème d'information, c'est de nous parler brièvement, nous expliquer le fonctionnement de notre système judiciaire en Guinée. Donc, Nakui, d'être patient, écouter attentivement, parce qu'il nous faut des personnes comme ça, professionnelles, conscientes, pour résoudre les problèmes qui prévaut aujourd'hui dans notre pays. Merci, bienvenue et merci d'avoir accepté mon invitation. Sans plus tarder, monsieur Touré, bonsoir, présentez-vous et les Guinéens sont là aujourd'hui, vous écoutent. Et bonsoir à tout le monde. Je suis Touré Ibrahim Assouri II, je suis journaliste, je suis juriste et je suis consultant indépendant. Donc je suis, si vous voulez, l'ancien vice-président de la société BSGR. Donc je pense que la présentation a été brève. Et les Guinéens comprennent qui parle aujourd'hui, qui est votre invité. Merci. Donc, sans plus tarder, on peut débarrer. Merci. Aucun souci. Très bien. Venez, 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 venez et partagez au maximum dans les groupes. Yandi, c'est important et ça va dans l'intérêt de tout un chacun, tout un Guinéen. Oui. Et sans plus tarder, monsieur Touré, en votre qualité de juriste et consultant indépendant, quel est votre lecture sur le procès du 28 septembre. Ça, c'est ma première question pour vous. Ah, je vous remercie, M. Kabara. Je crois qu'il est temps de détailler un peu la lumière sur ce qui se passe chez nous comme étant le procès du 28 septembre, qui est un procès historique. Yep. Donc, ce faisant, le fait de commencer ce procès est une bonne chose. Non. Rien à dire. Yep. Comme vous le savez, l'ancien président qui était là-bas, il savait pourquoi il ne pouvait pas commencer ce procès. Il le sait. J'ai pas besoin de dire que c'est lui le chef d'orchestre de cette affaire. Mm-hmm. C'est pourquoi cette affaire a traîné pendant 13 ans. Mm-hmm. Il n'a même pas pu terminer l'instruction. Il n'a même pas pu penser débuter. Il a tout fait pour manipuler tout le monde, mettre tout le monde dans la farine, jusqu'à ce que lui quitte et laisser maintenant le reste à ceux qui viendront. Mm-hmm. Donc le fait de démarrer ce procès est courageux. Mm-hmm. Ce fait-là, il faut le saluer. Mais la manière dont le procès se passe oui. ne convient pas aux Guinéens. Moi, ça ne me convient pas et ça passe complètement à côté de la plaque. Comment et le pourquoi? La première ressource, c'est quoi? Mm-hmm.
quand vous regardez un procès qui fait face à 80% des accusés qui sont ce qu'on appelle des soldats ou des militaires, parce qu'il y a une différence entre soldats et militaires, il faut le savoir. Merci. Quand on parle de soldats, il s'agit des hommes qui relèvent de l'armée de l'air, de l'armée de terre et de l'armée de mer. Non. Mais quand on parle de militaires, il s'agit de tous les gens qui portent l'uniforme. C'est-à-dire que ce soit la gendarmerie, la police, la douane, l'armée de terre, etc., etc. Donc tous ceux qui portent l'uniforme sont appelés des militaires. Mais tous ceux qui sont des soldats, ils ne sont pas forcément des militaires. Donc ceux qui sont des soldats sont des gens qui relèvent de l'armée de terre, de l'armée de mer et de l'armée de l'air. Donc quand vous avez un tel procès dans lequel il y a 80% des soldats qui sont accusés, la première des choses à faire, le premier réflexe à faire, c'est de bien composer ce qu'on appelle le parquet. C'est-à-dire que les gens qui sont chargés de gérer cette affaire, qui sont chargés de juger les gens, il faut les préparer. Comment un tel procès peut se passer sans qu'on n'ait pas mis dans cette nomenclature-là les conseillers instructeurs dits des militaires? Très bien. On sait en Guinée qu'il y a du tribunal militaire. On sait en Guinée qu'il y a des officiers qui sont instruits, qui connaissent toute la nomenclature, toute l'hiérarchie de l'armée. Mais si ces gens-là ne sont pas à côté des civils qui gèrent, peu importe que le président du tribunal soit civil, mais à côté, il faut mettre ce qu'on appelle des assesseurs militaires, des instructeurs qui connaissent ce qu'on appelle le jargon militaire. Oui. Parce qu'en français, les jargons sont différents. Oui. Quand tu parles de la diplomatie, tu parles de jargon diplomatique. Quand tu parles de la médecine, vous parlez du jargon de la médecine. Mais quand tu parles de l'armée, il y a des jargons qui sont appropriés aux militaires. Oui. Donc aux hommes en uniforme. Oui. Donc le premier cafouillage est né là-bas parce que les gens ne savent pas, ils peuvent pas faire savoir entre gendarmerie et soldats. Pour eux, gendarmes et soldats, pour eux, c'est pareil. Donc la première confusion est née là-bas. Donc si vous avez à refaire des choses, il faut d'abord renforcer ce qu'on appelle la composition de ce tribunal, de ce parquet-là, qui en elle-même peut contribuer à la manifestation de la vérité. Parce que si, et seulement si vous faites comparaître les soldats, comme les Toumba qui disent n'importe quoi, des gens qui ont échelonné les étapes, ils ont brûlé les étapes, ils sont arrivés jusqu'au grade du capitaine sans faire aucune formation. Je vais vous rappeler, M. Camara, que l'armée est une institution. Oui. Les règles sont contenues, elles sont codées. Et personne dans l'armée ne peut faillir à cette compréhension-là. C'est connu. Dès que tu t'engages, tu connais quels sont les principes. La première des choses, c'est quoi? La première des structures de l'armée, c'est quoi? En Guinée, la première des structures, c'est la structure qu'on appelle le binôme. Aux États-Unis, là-bas, c'est le trinôme. Pourquoi les États-Unis pensent au trinôme? Parce que quand tu dis binôme, c'est quoi? C'est l'association de deux personnes qui jouent le même rôle. Donc, un rôle complémentaire. Mais les Américains, ils ont dit, à partir du moment où on place deux hommes pour faire un travail, il peut y avoir des confusions ou des cafouillages, mais les deux hommes se décident de se protéger. Donc, ils étouffent l'information. Les Américains, ils ont dit non, notre base de l'armée commence à partir des trinômes, c'est-à-dire trois personnes. Là, quand il y a problème, c'est difficile que les trois personnes s'entendent pour boucler ou bien pour endormir cette affaire. Oui. Ça va sortir au grand jour parce qu'on travaille pour la République. Oui. Et là, c'est important. Très important, oui. Quand vous travaillez pour la République, vous devez être sincère dans ce que vous faites dans le cadre de votre rendement. C'est-à-dire, vous portez les tenues, l'uniforme, qui sont ce qu'on appelle les fruits des impôts. Donc, pour votre travail, vous devez faire la restitution en fonction des principes de la République. Yep. Dans les principes de la République, l'armée a son rôle à faire, le gouvernement a son rôle à faire, l'Assemblée a son rôle à faire, n'est-ce pas? Oui. Les institutions judiciaires ont leur rôle à faire. Donc, la première structure, c'est le binôme. Après, le binôme, c'est quoi? C'est l'équipe. L'équipe, c'est une structure de l'armée qui est composée de 4, 5, 6 personnes, ça dépend. Donc, si vous avez affaire à cette catégorie de trucs, mais vous ne pouvez pas venir comme ça, vous quitter comme on appelle de la formation de binôme à la formation de l'équipe sans passer ce qu'on appelle des étapes. Oui. Si vous êtes en France, par exemple, si vous commencez, on vous inscrit tout de suite dans l'armée, vous devez faire une formation qu'on appelle la FETA. Ça s'appelle la formation la FETA. La FETA, c'est quoi? C'est une formation élémentaire de toute arme. En Guinée, là-bas, on appelle la commune de base. Commune de base, oui. La commune de base. Donc, c'est l'équivalent de la FETA. C'est-à-dire, c'est ce que vous faites pendant 6 mois. On vous essaye, on fait un test. Et si ce test est validé, on vous nomme au grade de caporal.
Donc, une fois que vous êtes maintenant au grade de caporal, donc ça veut dire que vous avez l'aimabilité maintenant de rejoindre une deuxième structure qu'on appelle l'équipe. Donc, vous avez fait votre commune de base, vous appartenez maintenant à une équipe, et cette équipe-là, comme je l'ai dit, elle est composée de 4, 5, 6 personnes, ça dépend de la nomenclature de l'armée que vous avez. Oui. Et là aussi, arrivé là-bas, vous devez passer ce qu'on appelle un diplôme, qui ça s'appelle le CAT1. Le certificat d'aptitude technique numéro 1 de premier degré. Parce que dans l'armée, comme on a dit, c'est une institution. Ce n'est pas n'importe qui va venir dire que je suis militaire et qui fait n'importe quoi. Oui. Comme on le sait, l'armée est investie pour la défense de l'intégrité territoriale. Yep. Donc l'armée, sa mission, ce n'est pas de tirer sur la population. Non, pas donc du tout. Ceux qui tirent sur la population sont des gens qui sont passés comme ça. Ils n'ont fait aucune formation et se retrouvent au grade de capitaine, colonel, parce qu'il y a ça dans l'armée. Yep. Chez nous. Donc, les étapes-là sont des étapes qui sont importantes dans le fonctionnement de l'institution qu'on appelle l'armée. Donc, si vous faites votre CATM, c'est-à-dire votre certificat d'aptitude technique de premier degré, vous obtenez ce qu'on appelle le grade de caporal-chef. Une fois que vous obtenez ce grade de caporal-chef, vous intégrez ce qu'on appelle la troisième structure qu'on appelle le groupe. Le groupe, il est composé de 10 personnes et à chaque fois, il est toujours commandé ce qu'on appelle par. Il est toujours commandé par un sergent-chef. Mm-hmm. Vous comprenez? Oui. Donc, le groupe, une fois que vous êtes dans le groupe, vous faites aussi une formation après 6 mois. Cette formation s'appelle CAT1-2. J'avais dit tout à l'heure CAT1, c'est la formation qui est dédiée aux hommes habillés qui sont de la catégorie de l'équipe. Donc, la formation de CAT2, elle est faite pour les gens qui sont dans la catégorie du groupe. Donc, on est dans la troisième structure là. La première, c'est binôme. Oui. La deuxième, c'est l'équipe. La troisième, c'est le groupe. Et ici, dans la fonction du groupe là, vous devez faire toujours un test qu'on appelle le CATD, Certificat Aptitude Technique de deuxième degré. Une fois que vous allez faire ça, vous passez ce qu'on appelle au grade de sergent-chef. Mm-hmm. Je vous dis ça pourquoi, je n'ai pas fini, mais je vous dis pourquoi. Oui. Je vous dis ça pourquoi, parce que c'est dangereux de voir dans une armée que les gens, ils se partagent des grades comme des cacahuètes sans savoir quelle formation ils ont fait, quel diplôme ils ont obtenu, quel enseignement ils ont reçu, et ils disent qu'ils sont là pour le service de la République. Quand tu es dans ce service-là, tu dois comprendre ce qu'on appelle les démarches importantes à suivre. Yep. Donc, on va poursuivre. Une fois que vous êtes dans votre troisième groupe-là, c'est-à-dire vous avez fait votre CAT2, désormais vous êtes appelé à être... À faire la quatrième catégorie de la structure qu'on appelle la section. Mm-hmm. Quand vous regardez le procès, tout le monde a dit moi je suis avec les hommes du salon. Les hommes du salon là, si vous voulez, c'est la section. Parce que généralement, ce sont les équipes qui sont composées de 30 hommes, mais si c'est l'effectif, comment on appelle ça, l'effectif organique, parce que dans l'armée, il y a ce qu'on appelle l'effectif organique et l'effectif renforcé. Donc, si l'effectif est renforcé, ça peut aller jusqu'à 35 personnes. Parce que dans chaque structure, il y a le chef, il y a les conducteurs, les chauffeurs, il y a ce qu'on appelle les gens qui s'occupent de, comment on appelle, les gens qui s'occupent de comment on appelle, de la médecine. Oui. Ça s'appelle les officiers qui s'occupent de la médecine, comment on appelle, au niveau de l'armée. De militaire, donc, là, oui. Mmh. Ouais. Donc, ces gens-là, ils sont intégrés dans cette structure-là parce qu'une structure, on ne l'abandonne pas, il faut l'équiper. Une fois que le groupe est équipé, il devient renforcé. Donc, une section peut composer jusqu'à 35 personnes. Donc là, ce n'est pas n'importe qui arrive. Il y a aussi des formations à faire. Il y a ce qu'on appelle les cours d'application qu'il faut suivre. Tout militaire qui ne suit pas les cours d'application, tu ne peux pas aller au-delà du grade de lieutenant. On ne peut pas te permettre parce que tu ne connais pas ce que tu fais. Il y a un autre cours que tu dois faire, ce qu'on appelle le CPO. Le CPO, c'est le cours de perfectionnement d'officier. Parce que là, il est dédié à une catégorie de personnes qui sont aptes à être ce qu'on appelle les officiers de l'armée. Comme vous le savez, les officiers dans l'armée commencent à partir du grade de sous-lieutenant. Mm-hmm. Donc, c'est ces formations-là qui sont dédiées à ces gens-là. Ils vont quitter donc du grade de sous-lieutenant pour être du grade de lieutenant. Donc, de commander ce qu'on appelle la section. Une fois que vous commandez la section, qui est composée de 30 personnes, par chacune des sections. Donc, vous avez l'amabilité maintenant de progresser dans votre carrière militaire. Votre carrière, elle est ouverte. Vous êtes désormais appelé ce qu'on appelle l'officier supérieur. Mais quand vous êtes officier supérieur, là aussi, il ne faut pas faire la confusion. Il y a trois types d'officiers supérieurs. Il y a les officiers supérieurs subalternes,
il y a des officiers supérieurs, il y a des officiers supérieurs et les officiers supérieurs et les officiers généraux. Ouais. Les officiers supérieurs subalternes, les officiers supérieurs et les officiers, comme on appelle, généraux. Donc les officiers supérieurs là, vous êtes à cette catégorie, vous commencez donc votre carrière de lieutenant pour être capitaine. Et pour arriver au grade de capitaine, vous faites ce qu'on appelle un cours, qu'on appelle le cours d'état-major. Et si vous suivez le cours, le procès là, Dadis, il rappelle que lui, au moins, il a fait ce qu'on appelle le cours d'état-major. Pourquoi tu fais ce cours d'état-major? Oui. Le cours d'état-major est un cours important pour un officier supérieur. Pourquoi? Parce que l'officier supérieur est appelé à faire l'étalage de sa connaissance au service de la nation. C'est pas seulement de porter les tenues ou bien ceci, cela. C'est pour réfléchir sur les causes de ta nation. Donc, vous gardez ça de manière secrète. Donc, avoir ce réservoir-là de garder ce qu'on appelle le secret républicain. C'est à ce niveau-là qu'on vous dispense ce qu'on appelle les cours d'état-major. Mais vous allez voir que dans l'armée, il y en a qui ne font même pas le CAT1, il ne faut même pas le CAT2, il ne faut même pas le cours d'application. Il ne faut même pas les CPO, c'est-à-dire les cours de perfectionnement d'officier, ils se retrouvent tout de suite dans le grade de capitaine ou dans le grade de commandant, sans faire ce qu'on appelle ces étapes-là. Donc, ils ont brûlé toutes ces étapes-là. Ils se retrouvent sans savoir pourquoi ils sont là. Parce que, comme on le dit dans nos institutions, quand ton frère est là, il passe à son cousin, ou bien à sa famille, etc., ou à son ethnie, pour faire des avantages de manière absurde, sans penser même au principe de l'armée, c'est-à-dire la cause républicaine. Ils ne pensent pas à ça. Je vous dis tout ça, ils ne pensent pas à ça. Donc, ils gestionnent les étapes, ils brûlent les étapes, ils favorisent les certains pour qu'ils gardent leur fauteuil. Parce que pour eux, si vous rendez les officiers là contents, vous êtes admis à rouler votre tapis dans votre fauteuil sans que personne ne vous touche. Donc, une fois cette étape brûlée, ça veut dire le cours d'état-major général, il y a des catégories de militaires qui poursuivent leur formation. Ils font ce qu'on appelle le CID. C'est-à-dire c'est le collège inter-armes de défense. C'est très important. Par exemple, Dadis, une fois qu'il avait fini normalement le cours d'état-major, il devait normalement, s'il voulait se proposer d'être le commandant, de poursuivre sa carrière, il devait faire un cours qu'on appelle le CID. Le cours inter-armes de défense. Mais tu n'entends jamais dire ça parce qu'il n'est pas malheureusement pas commandant. Mais tous les gens que tu entends dire commandant, ils ne te montrent même pas qu'est-ce qu'ils ont fait en termes de carrière. Qu'est-ce qu'ils ont eu en termes de diplôme. Dadis, lui, il dit, je suis fier d'avoir mon grade de capitaine et je ne veux pas que ça soit augmenté ni plus ni moins. Parce qu'il sait pertinemment qu'il s'est limité au cours d'état-major. Mais malheureusement, c'est quand il dit ça, il y a d'autres dans son collège qui n'ont rien fait, mais qui se trouvent au grade de colonel, au grade de général, au grade de général de division, au grade de général d'armée, etc., etc. Donc voilà. Après, ceux qui font ce cours-là, les cours, comment on appelle, le collège inter-armes, vous avez l'obligation de diviser ce qu'on appelle une catégorie de structure de l'armée qu'on appelle le bataillon. Donc je vais rappeler les structures. Oui. Comme je l'ai dit, la première, on a le binôme. La deuxième structure de l'armée, c'est l'équipe. La troisième, c'est le groupe. La quatrième, c'est la section. Et la cinquième, c'est la compagnie. La compagnie, c'est quoi? La compagnie, elle est composée de trois sections. Pourquoi trois sections? Parce que c'est dirigé toujours par un capitaine. Vous, même quand vous n'êtes pas militaire, vous voyez que les capitaines, ils ont trois galons. Pourquoi ils ont trois galons? Parce que chacun des galons la traduit qu'ils dirigent au moins trois sections. Donc, premier galon, c'est une section. Deuxième galon, c'est deuxième section. Troisième galon. Donc, une compagnie, c'est trois sections. Dirigée toujours par un capitaine qui a fait ce qu'on appelle un cours d'état-major. Comme Dadis l'a fait. Donc, après ça, vous allez valider votre progression. Vous partez dans la cinquième étape qu'on appelle le bataillon. Et c'est là que vous allez postuler au poste de commandant. Tous les bataillons normalement de l'armée, que ce soit à la Guinée ou bien partout dans le monde, en tout cas, qui sont dans la structure française, et ils sont toujours dirigés par ce qu'on appelle les commandants. Maintenant, si vous voulez aller au-delà de ça, vous allez faire ce qu'on appelle... Vous allez faire ce qu'on appelle beaucoup de stages et vous allez diriger ce qu'on appelle un sixième groupe qu'on appelle le régiment. Vous entendez trop parler de ça dans les procès. Oui, parce qu'on ne comprend plus rien. Pouvez-vous nous expliquer un peu la partie là, parce que comme Dadis, Amine et Toumba aiment toujours prononcer le nom du régiment, là, le régiment, je ne sais pas. Il faut nous expliquer ça.
Il faut savoir que le régiment, les Guinéens puissent comprendre ce qu'on appelle régiment. Le régiment, si vous voulez, c'est la structure, c'est la sixième structure de l'armée. Merci. L'armée guinéenne, par exemple, c'est la sixième structure de l'armée guinéenne. Mm-hmm. Le régiment est composé de 1000 à 1500 hommes. Imaginez, de 1000 à 1500 hommes. Et le régiment, c'est quoi? C'est trois fois le bataillon. C'est-à-dire que c'est trois ou quatre fois le bataillon. Donc, au moins, dans un régiment, il y a quatre bataillons minimum. Dans un régiment. Et un bataillon, c'est 400 wow. à 500 hommes. Vous comprenez? Donc, si quelqu'un te dit, moi, je suis le chef d'un régiment, premier constat, c'est qu'il doit être un colonel. Parce que n'importe qui ne peut pas diriger un régiment si tu n'es pas de grade de colonel, si tu n'as pas fait les différents diplômes là que je viens de citer, c'est-à-dire la FETA, le CAT1, le CAT2, les cours d'application, le CPO, c'est-à-dire les cours de perfectionnement d'officier, si tu n'as pas fait ce qu'on appelle le cours d'état-major, donc le cours qui est dédié au capitaine, si tu n'as pas fait le CID, le Collège Interarmé de Défense, c'est-à-dire le cours qui est dédié au commandant et au lieutenant-colonel, tu ne peux pas arriver à diriger ce qu'on appelle le régiment. Donc le régiment, c'est une sixième structure qui appartient au moins à ceux qui optent pour le grade de colonel. Donc si vous êtes dans le grade de lieutenant et vous dites que vous êtes le chef de régiment, est-ce que ça peut coller? Ça ne peut pas coller. Non. Si vous êtes du grade de commandant, vous dites que vous êtes le chef de régiment, est-ce que ça peut coller techniquement? Non. Ça ne peut pas coller. Si vous ne savez même pas combien d'hommes il y a dans un régiment, vous ne pouvez pas savoir, parce que dans un régiment, il y a à peu près entre 1000 à 1500 hommes. Mm-hmm. Si vous ne pouvez pas savoir au moins cette différence-là, comment vous pouvez vous retrouver? C'est pour cela que je vous dis que je suis en porte-à-faux avec la composition, donc la nomenclature du tribunal. Normalement, le tribunal aurait mis en exergue au moins de faire mettre à leur sein au moins deux officiers instructeurs. Oui. Ces deux officiers, ils ne parlent pas. Ils ont des bouts de papier à gauche et à droite. Quand il y a des jeunes d'hommes, ils écrivent, ils glissent au président. Dites-lui cette question. Il se dit qu'il est commandant. Quelle formation il a fait depuis qu'il est dans l'armée? Hein? Il est de quel grade? Est-ce que ce grade correspond à ce type de régiment? Non. Donc, voyez-vous, donc, c'est pourquoi j'insiste toujours que la nomenclature ne permet pas l'évolution normale du procès. On va continuer. La septième structure de l'armée, après le régiment, c'est quoi? On dit qu'après le colonel, on devient général. Mais quel type de général? On devient général de brigade. Donc, la septième structure de l'armée, la structure, elle est dite brigade. Donc, une brigade est composée de au moins 5000 à 10 000 personnes. Il est toujours dirigé par un général de brigade. Et la huitième division, ça s'appelle, la huitième structure, ça s'appelle la division, qui est dirigée par un général de division. Mm-hmm. Et l'autre, la suivante, c'est le corps d'état, le corps d'armée. Un général de corps d'armée, donc, qui dirige la dernière structure de l'armée. Donc, voyez-vous comment se fait la structure de l'armée? Mm-hmm. J'ai commencé par le binôme, je suis arrivé à l'équipe, ensuite au groupe, à la section, à la compagnie, au bataillon, au régiment, à la brigade, à la division et le corps d'armée. Ce sont les structures essentielles. Le patron de tout ça, ça s'appelle le général d'armée. Mais vous allez voir que dans notre armée, manifestement, des gens, ils se procurent des grades. Des grades. Comme je l'ai dit, ils n'ont pas fait l'Africa, ils n'ont pas fait le CAT1, ils n'ont pas fait le CAT2, rien. Ils n'ont pas fait le cours d'application. Ils n'ont pas fait le cours de perfectionnement d'officier, le CPO. Ils n'ont pas fait le cours d'état-major. Ils n'ont pas fait le CID, c'est-à-dire le Collège Interarmes de Défense. Un cours essentiel pour un militaire qui a échappé la première étape, c'est-à-dire qui n'est plus sous-officier, qui est maintenant l'officier supérieur, qui se pense maintenant au-delà de sa fonction militaire à la situation du pays, mais qui garde généralement beaucoup de secrets dans son ventre. Parce que comme on dit, l'armée, c'est l'armoire. L'armée ne parle pas. Donc, ils sont formés pour ça. Donc, quelqu'un qui n'a pas ça, il se retrouve, comment on appelle, colonel. Général. Il n'a aucun titre. Il se trouve général. Et il se trouve général de division, même général de corps d'armée. Et tout cela en espace de d'un an, de moins d'un an. Rappelez-vous, quand le général Lazare Konté, au 3 avril 1984, prenait le pouvoir, il avait le grade qu'on appelle le grade du colonel. Oui. Il a fait 24 ans au pouvoir. À la fin de son règne, il avait le grade de général d'armée.
Général du corps d'armée. Parce qu'il y a le général d'armée, ça c'est la fin de nomination militaire. Ouais. Donc quand il y avait le grade de général du corps d'armée, donc il a quitté colonel, général de brigade, général de division, général du corps d'armée. Donc il a eu ces quatre grades-là en 24 ans. Pendant que les autres qui viennent, quand tu prends Toumba, il t'informe hein, qu'à la prise du pouvoir, il avait le grade de lieutenant. Il se retrouve commandant. Il se retrouve commandant. Quand il prend, hormis tout ça, les gens qui font la confusion entre la gendarmerie et l'armée, comme je l'ai dit, l'armée c'est terre, mer et air, oui. Ils nous amènent dans un océan dur. Mais tout ça, ça commence parce que nous avons une mauvaise organisation. La première des choses, c'est la posture même du ministre de la Défense. Le ministre de la Défense, je suis désolé, le général Idi Amin, il porte le grade du général du corps d'armée, alors qu'il est gendarme. Il sait pertinemment qu'un gendarme n'est pas un soldat. Le grade du corps d'armée est dédié uniquement aux soldats. Aux soldats. Ouais. C'est-à-dire que le grade du corps d'armée n'est pas dédié à la gendarmerie. La gendarmerie se limite maximum au grade du général de division. Mais même ça, parce que qu'est-ce que je te dis? Je vous dis ici que les attributions des grades sont en fonction de l'effectif de l'armée. Quand tu prends la première structure binôme, vous avez deux personnes dans la structure. Quand vous prenez la structure de l'équipe, vous avez au moins 4 ou 5 ou 6 personnes dans l'équipe. Quand vous prenez la structure d'un groupe, vous avez au moins 10 personnes. La structure d'une section, qui est la quatrième structure de l'armée, vous avez au moins 30 personnes. Quand vous prenez la structure d'une compagnie, vous avez au moins 120 personnes, 120 hommes. Quand vous prenez la structure d'un bataillon, vous avez 400 à 500 hommes. Quand vous prenez la structure d'un régiment, vous avez entre 1000 à 1500 hommes. Et quand vous prenez la structure d'un brigade, vous avez au moins entre 5000 à 10 000 hommes. Mm-hmm. Vous comprenez? Oui. Si vous prenez la structure de la division, vous avez au moins entre 15 000 à 20 000 hommes. Mm-hmm. 15 000 à 20 000. Je vous dis ça pourquoi? Oui. Par exemple, moi, je vais aux États-Unis tout de suite. Oui. J'ai dit à Frère Marie, comment ça va, merci. Ah, mais j'ai vu dans le journal que vous avez au moins 2 généraux dans. Que les États-Unis comptent 10 généraux. Mm-hmm. Tout de suite. Mais je dis, mais de quel type de grade? Vous me dites, non, ils sont des généraux de corps d'armée. Alors que moi, je sais que dans mon effectif, je connais qu'un général de corps d'armée, il a au moins combien de personnes sous ses commandements? Il a au moins, un général de corps d'armée, il a au moins entre 80 à 100 000 hommes. Donc, mathématiquement, j'ai dit, ah si les États-Unis ont 100 000, ils ont 10 euros, ça veut dire, je peux me projeter sur l'effectif de l'armée américaine tout de suite. Oui. Tout de suite, je comprends tout de suite l'effectif de l'armée armée, ouais. Parce que je connais la démarche militaire, je connais l'institution militaire, ouais. Je connais que tel grade est dédié parce qu'il y a tel homme derrière la personne. Si tel grade est dédié à tel qui est sur le terrain, il y a au moins tel effectif dans tel. En Guinée, par exemple, malheureusement, vous avez par exemple Baldi, je n'appelle pas général, parce qu'il est gendarme et il porte le grade du général du corps d'armée. Et Djami, il porte le grade du général du corps d'armée. Il y a le général Namori qui est à Sauge là, qui a aussi les mêmes trucs. Donc quand vous calculez tout ça, on s'est dit directement du non, mais s'il y a trois généraux du corps d'armée, ça veut dire qu'on a au moins 100 fois 3, ça fait 300 000 hommes dans l'armée. Mm-hmm. Or que vous avez affaire à une armée qui ne dépasse même pas 50 000 hommes. 50 000. Vous savez comment on est dans le porte-fou? Tout est mélangé. Voyez-vous comment on est dans les porte-faux? Les gendarmes acceptent de dépasser au-delà même des normes de leur structure. Ils vont prendre des grades qui ne leur appartiennent pas. Vous savez comment on est dans ça? Parce qu'Alpha Condé, qui ne connaît rien, a accepté de faire pour faire plaisir à ces gens-là. Il leur a donné comme ça. Lui-même, il ne sait même pas qu'est-ce qu'il fait. Il fait n'importe comment. Donc voilà, il a pris l'argent au niveau des institutions de l'Union européenne pour dire, soi-disant, réformer l'armée, et voilà les bêtises qu'il a commises avant de quitter. Il met les gens qui ne correspondent pas à leur façon de faire. Mm-hmm. Et quand il a quitté, on est tombé dans le chaos, malheureusement. Donc un procès comme ça, si tu dois juger des militaires, il faudrait faire venir au moins ce qu'on appelle des spécialistes, des gens qui connaissent le jargon militaire, qui connaissent ce qu'on appelle l'évolution des différentes structures que je viens d'évoquer là, mm-hmm. qui connaissent les grades, qui connaissent les effectifs. Right. Parce que quand moi je dis je suis capitaine, ça veut dire que je suis diplômé d'abord en CAT1,
Je suis diplômé en CATD, j'ai mon CPO, j'ai mon CID, je suis diplômé en CPO et j'ai mon cours d'application. J'ai mon cours, comment on appelle, j'ai mon cours d'application et j'ai mon cours d'état-major. Ouais. Si je dis je suis capitaine. Ouais. Au lieu que le procès ne commence par dire, ouais, comment vous avez fait pour la prise de pouvoir, vous devez dire oui, présentez-vous, dites-nous comment vous êtes arrivé au grade de colonel ou de commandant. Colonel ou de capitaine. Ils vont vous dire parce que tout est retracé. Parce que regarde Toumba qui dit oui, c'est moi-même qui ai nommé tel au grade de tel, au grade de capitaine. C'est moi qui... Vous savez, dans l'armée, comme je l'ai dit, c'est une structure. L'évolution en grade de l'armée dépend de 3 à 4 personnalités. Comme je l'ai dit, l'armée est divisée en 2 groupes. Il y a les officiers supérieurs et les autres, c'est-à-dire les officiers qui ne sont pas des officiers, comme on appelle, qui commencent du grade de caporal, de sergent-chef, d'adjoint-chef. Ils sont appelés ce qu'on appelle les sous-officiers. Donc, il y a les officiers supérieurs, il y a les sous-officiers. Mais quand tu dois nommer ou bien tu dois faire l'évolution du grade d'un officier, il y a des étapes à franchir. Ça ne se passe pas comme ça. Non. Quand on m'a dit, c'est moi qui l'ai donné le grade. Mais ça, c'est faux. Parce que dans l'armée, quelles sont les personnalités qui sont habilitées à primer quelqu'un dans l'évolution de son grade? La première personnalité, c'est le chef d'état-major général, le chef d'état-major particulier de l'armée. C'est-à-dire, quand vous êtes recruté, vous êtes dans la structure de base, là, où vous faites votre commune de base. Bon, après 6 mois, on regarde, oui, quels sont les éléments qui sont bons, etc., etc. Le chef d'état-major, à travers le chef de l'effectif, là, ils observent que les éléments, ils disent, voilà les gens qu'on va faire avancer en termes de grade. Donc, tout de suite, on vous grade au grade de caporal. Mais après, le chef d'état-major général et le chef d'état-major particulier, c'est le chef d'état-major général de l'armée. Parce que les patrons, là, chacun a sa fourchette de nomination. Le chef d'état-major général aussi, lui aussi, il peut dégrader de caporal-chef là jusqu'au grade de sergent. Après ça, c'est le ministre de la Défense nationale. C'est le ministre de la Défense nationale qui s'occupe des sergents jusqu'au grade d'adjudant-chef. Jusqu'au grade d'adjudant-chef. Donc, si tu dis que toi, tu es adjudant-chef et que tu as été avancé en grade par le président de la République, ça c'est faux, parce que le président de la République ne s'occupe pas de ce secteur-là. Donc, à partir des sous-officiers, ce qu'on appelle les officiers supérieurs, c'est-à-dire les sous-lieutenants, jusqu'au grade du général d'armée, c'est le président de la République, par le voie de décret, qui s'occupe de ça. Oui. Donc, quand Toumba dit, c'est moi qui ai donné des grades, ça, c'est des bêtises qu'on n'a pas écrit dans un tribunal sérieux, parce oui. que ça ne passe pas. Ça ne passe pas, ça, c'est des biberons à donner aux gens. C'est pas à nous. On ne peut pas s'aventurer dans ça. Non. Donc, voyez-vous, c'est pourquoi je vous dis dès le départ que le fait de commencer le procès, c'est une très bonne chose. Mais il faut le faire bien. Il ne faut pas le faire pour bâcler. Sinon, on va penser que c'est un procès dirigé. Et quand le procès est dirigé, il aura une connotation ethnique. Et quand il a une connotation ethnique, il sera dangereux pour le pays. Oui. Et quand il est dangereux pour le pays, ça fait un risque de mettre une guerre civile dans le pays. Parce que vous ne pouvez pas accepter d'épargner certains. Yeah. Et de mettre à humilier d'autres, ça ne peut pas se passer. Non. Ça ne passe pas. Très bien. Ça ne passe pas. Très bien. Ngakri, toujours, j'avais écouté notre frère, un technicien, c'est-à-dire un professionnel. Déjà, vous avez compris ce qu'on appelle l'armée. Il nous a donné brièvement, expliqué comment affranchir les étapes pour être quoi. Mais en Guinée, je suis général. D'abord, je vais inviter le général, je ne vais pas dire son nom parce que ce débat est sérieux et nourrissant. Je ne vais pas dire son nom ici, mais il sera invité ici un jour pour m'expliquer. C'est un militaire de grade général. Il n'a qu'à me donner la nomenclature de ce que mon frère vient de donner comme information aux Guinéens. Très bien. Vous avez une tasse de café à côté parce que aujourd'hui c'est important. Je vois. Monsieur Kabara. Non. Monsieur Kabara. Non. Et comme vous insistez sur l'invitation du général en question, là, je vais vous dire un peu la part des choses. Merci. Parce que dans l'armée, comme je vous ai dit, l'armée, c'est l'armée de terre, oui. L'armée de mer. Oui. Et l'armée de l'air. Mm-hmm. C'est les 3 types qui constituent ce qu'on appelle l'armée. Oui. La gendarmerie, mm-hmm. la police, oui. la douane sont des paramilitaires. Très bien.
La gendarmerie, par exemple, elle a été créée en France. Elle n'existe même pas dans d'autres pays. Elle a été créée uniquement en France. Pourquoi? Parce qu'en France, on appelle un gendarme soldat gardien de la loi. Pourquoi? Parce qu'en France, dans sa constitution, elle a souffert avant de créer la République. Elle était une monarchie anarchique, une monarchie absolue. Il y a eu des révoltes en 1789. Les gens se sont décidés de prendre en main leur destin. Donc, une fois qu'ils ont réclamé leur destin, ils ont dit, mais on ne peut pas continuer que, quand on était dans l'ancienne monarchie, il y avait toujours une force coercitive qui était dirigée par le roi. Donc, cette même force coercitive est représentée par l'armée. Donc, il faut qu'il y ait une structure militaire qui va s'occuper de ces gens-là, au cas par cas. Quand l'armée commet des bêtises, que les gens soient jugés. Quand les civils aussi commettent des bêtises, qu'ils soient jugés. C'est pourquoi en France, des structures comme des intellectuels comme Denis Diderot, comme Jean-Jacques Rousseau, se sont réunis, ils ont écrit, ils ont dénoncé, ils ont dit, OK, on va créer une structure parallèle qui va s'occuper à la fois de l'armée, à la fois des militaires. Donc c'est pourquoi on dit que la gendarmerie, c'est un corps d'élite. C'est un corps qui permet d'interpeller n'importe qui. Ils sont des paisibles, des officiers, ils sont sous normalement, la tutelle du procureur de la République. Donc ils peuvent interpeller n'importe qui. Pour la police judiciaire. Donc, vous comprenez? Oui. Donc, si vous appelez le général en question, il faut que dans l'armée des terres et mers et de l'air, qu'on sache faire aussi la part de différence. Okay. Quand vous avez, par exemple, affaire à une structure liée à l'armée de l'air, il y a des généraux. Mais le premier général de l'armée de terre, je vais dire, le premier général de l'armée de terre s'appelle général de brigade. Son patron, c'est le général de division. Son suivant patron s'appelle le général du corps d'armée. Et son chef suprême s'appelle ce qu'on appelle le général d'armée. Si vous êtes dans l'armée de mer, là aussi ça a son appellation. L'armée de mer, vous avez l'amiral d'escorte, c'est-à-dire qui correspond au grade de général de brigade. Vous avez l'amiral de division qui correspond au général de division. Vous avez aussi l'amiral du corps d'armée qui correspond au grade de général du corps d'armée. Et vous avez l'amiral tout court qui devient ce qu'on appelle le général d'armée, c'est-à-dire le patron des patrons. Vous comprenez, quand vous êtes au niveau de l'aviation, là aussi, il y a son appellation. Donc, vous ne pouvez pas dire, par exemple, vous avez le général de brigade au niveau de brigade de l'aviation, le général de division de l'aviation. Donc, tout ça, ils ont les noms, les nomenclatures sont définies et elles sont sérieuses. C'est pourquoi je vous dis que les attributions des grades, il faut faire attention quand vous êtes président de la République. Parce que quand quelqu'un dit oui, j'ai donné des grades, vous savez comment faire des grades, comme je l'ai dit. C'est que parmi, soit vous êtes président de la République, soit vous êtes ministre de la Défense, soit vous êtes chef d'état-major général de l'armée, soit vous êtes chef d'état-major particulier. Et le chef d'état-major particulier n'occupe que le premier avancement. C'est-à-dire les gars qui étaient des soldats de deuxième classe, des soldats de première classe et le caporal finit son rôle. Parce que c'est lui qui appartient aux hommes. Après, il passe sous la main à son supérieur qui est le chef d'état-major général, etc., etc. Mais tout ça ne fonctionne pas comme ça. Parce que dans l'avancement, excusez-moi, dans l'avancement d'un grade, il y a beaucoup de personnes qui interviennent. C'est le ministre de la Défense qui contrôle tout. Il prend les documents, il transfère au ministre du Budget et des Finances. Parce que chaque fois qu'il y a un avancement, les gars sont attendus à travers un paiement supplémentaire. Donc c'est pas... C'est pour ça que je vous dis ça, pour que vous compreniez. Quand quelqu'un dit, c'est moi qui lui ai donné des grades, c'est des bêtises. Ça déshonore. Oui, ça déshonore, ça déshonore notre armée. Merci. Et malheureusement, c'est pas bien. Très bien. Monsieur Touré, vraiment, aujourd'hui, fait battre l'armée. Je vois Mirinde Tofebe, tout invité Nana Wunira, c'est de nous Ayaba Wombe. Parce que il procède à un qui risque belebele Nara Wunira. Donc, Nakui. Faut à la colon, parce que, on tourne à Béki, sort une des nabé, nous écoute, ils prennent note, parce que, ce monsieur enseigne, il est là à donner des choses, n'a pas mon aura procès, mais ni, moi, singe, falane, il mon nomme, procès militaire à badé, sorry, les instructeurs, et mon luna, c'est pratiquement impossible. Impossible. Oui. Donc, parce que, Wayne Falama, armée, ha Wayne Nara, il faut des spécialistes, il faut des militaires, des officiers compétents. Mais, comme l'a dit de mon frère, Kira Banaki, on s'est gamme guerre de ma amoufan, parce que,
foi fei garabara baki na ma wotana na Il fait, je veux parler de la transition. Faites beaucoup d'attention à ce que vous faites. Et voir colon, on n'a pas fait. C'est pas comme ça qu'il faut instruire ce procès. Très bien. Monsieur Touré, vous avez une tasse de café à côté? Parce que aujourd'hui, oui, je vais prendre un verre d'eau. Mais, je les appuie. Ok, très bien. J'ai ma deuxième question ici, toujours. Ce procès, dans un tel procès, comment le tribunal doit faire pour ouvrir ou découvrir les auteurs de crimes, des infractions, c'est-à-dire les crimes commis au stade du 28 septembre? Ok. C'est ma deuxième question. Kabara. Oui. Qu'est-ce que le tribunal doit faire? Oui. La première des choses, comme je viens de vous le dire, premièrement, oui. La première des choses, comme je viens de le dire, oui. Le tribunal doit repenser à sa structure. Et sa structure, elle est fausse. Sa structure est fausse. Elle ne peut pas admettre à vite ramasser ce qu'on appelle les conclusions de ce procès-là. C'est dangereux. La deuxième des choses à faire, il s'agit d'un procès en matière criminelle. Et quand on dit un procès en matière criminelle, c'est bien dire que la responsabilité, elle est individuelle. Oui. C'est-à-dire que ce n'est pas mon père qui commet une infraction et moi je viens répondre à sa place. Non. Ce n'est pas quelqu'un qui va commettre une infraction et quelqu'un d'autre répond à sa place, on l'accuse à tort. Non. Il s'agit d'établir des preuves jusqu'à ce que ça soit prouvé que les intéressés qui sont accusés, ils ont été vraiment jugés coupables, yeah, avec des preuves palpables. Mais pour que cela soit fait, parce qu'en droit on dit que tout fait quelconque qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Mmh. On veut penser ici à la responsabilité individuelle, on veut penser ici à la responsabilité du fait détruit, on veut penser ici à la responsabilité du fait de la sauge. Donc pour éclairer tout ça, il faut partir de la base, c'est-à-dire le concret. Oui. On t'a dit qu'il y a eu une manifestation au stade du 28 septembre. La première des personnes à interpeller, c'est le procureur de la République, de première instance de Dixin, parce que la zone d'infraction, ça se retrouve dans sa zone de compétence. Donc, si et seulement si le procureur de la République avait pris cette disposition dès 16h-17h de la journée du 28 septembre 2009, mm-hmm, ils auraient appelé les OPJ sur place et on aurait fait ce qu'on appelle les périmètres de sécurité. Pourquoi on fixe les périmètres de sécurité? Mm-hmm. On fixe les périmètres de sécurité pour ne pas qu'il y ait des intrus, des gens qui vont chercher à gauche, à droite, des éléments de preuve pour les détruire. Oui. Voyez-vous, donc le procureur de la République, on dit procureur de la République, c'est-à-dire qu'il n'attend pas un appel d'un chef de l'État, il n'attend pas un appel d'un premier ministre, il n'attend pas un appel du ministre de la Défense ou du ministre de la Sécurité ou du ministre de la Justice. C'est lui-même qui va se lever parce que la loi lui a donné ce mandat-là de faire ce travail. Envoyer les OPJ sur le terrain, mettre ce qu'on appelle les périmètres de sécurité. Une fois on aurait mis les périmètres de sécurité, vous savez, vous pensez qu'un véhicule va rentrer là-bas pour prendre les corps et d'aller les enterrer comme ça? Non, ça ne se fait pas. Donc le procureur de la République, à l'époque des faits, il doit être interpellé. Le directeur du stade du 26 septembre, moi je parle en tant que Guinéen, je ne parle pas en tant que Soussou, je ne parle pas en tant que Peuple. Je m'en fiche si c'est un Montréalais ou bien si c'est un... C'est pas mon problème. Moi je suis républicain et je connais la notion de la République parce que pour moi la République, c'est la chose commune. La République, c'est la chose qui n'appartient pas ni à mon père, ni à ma mère, ni à ma soeur, ni à personne. La République, en dit, dans sa décomposition, c'est la res publica. Res, ça veut dire chose publica, c'est-à-dire commune. Yep. Donc, je ne peux pas donner des informations qui ne sont pas exactes. Donc, pour avoir les manifestations de la vérité, prenez ces gens. Le procureur, d'abord, il faut le prendre, qui s'explique pourquoi il n'a pas fait son devoir pour amener les OPJ, pour que les périmètres soient fixés. Deux, le directeur du stade du 28 septembre, pourquoi il a ouvert le stade? Comment les gens sont rentrés? Il faut qu'il s'explique. Trois, les officiers des chefs d'état-major généraux de l'armée à l'époque. Parce que pourquoi? Parce que avant le 28 septembre, il y a eu une circulaire qui a été signée par eux, invitant les soldats à rentrer dans les casernes. Donc, si le chef d'état-major général, dans l'application de cette disposition, avait recensé les officiers qui étaient présents dans les casernes, tout de suite, on sait qui sont sortis, qui ne sont pas là, qui ne sont pas là, et qui prouvent leur motif, pourquoi ces jours-là, ils n'étaient pas là. Très bien.
Parce que, comme on le dit, vous savez, monsieur camarade, le maintien de la sécurité, c'est une chose. Mais, comme on le dit, ce maintien appartient aux soldats de la loi, donc à la gendarmerie et à la police. Donc, le 28 septembre, l'ANCET ne devait compter que sur la présence des gendarmes et des policiers. Tout militaire qui est parti là-bas, il doit s'expliquer pourquoi il est parti. Il est parti là-bas. Parce que les militaires, les soldats, comme on le dit, armés, quelqu'un qui est armé ne peut pas protéger les manifestants. Non, son rôle n'est pas... L'armée, c'est la défense de l'intérêt du territoire. L'armée, c'est quand vous êtes agressé que vous allez partir. L'armée ne peut être déployée sur le terrain civil que lorsqu'il y a ce qu'on appelle, il y a des catastrophes naturelles, qu'il y a des trucs là, exceptionnels. Là, Tremblement de terre. Le procureur général, il réquisitionne l'armée pour que l'armée puisse aider les intervenir, civils, la police et la gendarmerie. En Europe ici, ou aux États-Unis, des cas comme ça arrivent, c'est quand il y a des catastrophes, ou bien c'est quand il y a un problème, une guerre comme ça, que le président de la République, qui est le commandant en chef des armées, il prend une disposition pour dire « oui, je déclare la loi martiale ». Parce que tant que la loi martiale n'est pas déclarée, l'armée même ne peut pas être, ne peut pas se substituer à la place des gendarmes et à la police. S'il y a des guerres comme ça, etc., etc. Donc, mais s'il n'y a pas cette disposition, l'armée, les gens qui sont partis là-bas, mais qui disent pour qu'ils sont partis, qu'est-ce qu'ils sont, ils étaient à la solde de qui? Ils travaillaient pour qui? Donc, la manifestation de la vérité, c'est ce que je vous dis. Il faut que ces gens-là, ils soient là-bas. Et pour te dire la vérité, encore une fois, supplémentaire, moi je pense que tous les ministres qui ont été dans le gouvernement de Dadis et à la fin qui se sont retrouvés dans le gouvernement de Alpha Condé, ils doivent être interpellés tous pour être entendus. Très bien. Je sais pourquoi. Parce que, comme je l'ai dit à l'intro, Alpha Condé était le président qui cherchait le pouvoir. Il savait pertinemment qu'il fallait passer par le massacre. Parce que les gens, les choses que vous ne connaissez pas, vous, Alpha Condé, il a l'adresse d'un musulman, mais ce n'est pas un musulman, malheureusement. Non. C'est un charlatan. Les gens lui avaient bien dit, il dit, tu ne vas pas devenir président. Il a dit, comment? Il dit, non, je viens. Non. Il dit, quand tu viens président de la République, il y aura beaucoup de sang. Il a dit, oui, mais peu importe. Donc, lui, il sait que son sacrifice pour être au pouvoir, c'était le sang. Qui a fixé la date du 28 septembre? C'était lui. Qui a fixé la date du 28 septembre? C'était bien lui. Le 28 septembre. Il a fixé pour deux choses. La première chose, c'était de salir notre émancipation à l'indépendance. Parce que le 28 septembre, en 1958, la Guinée a dit non à la proposition faite par la France. La Guinée a dit, je vais proposer pour mon indépendance. Oui. Donc, cette date-là est une colère à admettre au niveau des gens, soi-disant, qui sont ce qu'on appelle des brebis de la France. Donc, ils n'aiment pas. Donc, ils ont voulu saboter cette date historique. Aujourd'hui, quand tu parles de 28 septembre, personne ne pense au nom du général de Gaulle. Tout le monde pense au massacre, au viol. Tout le monde pense à ce qui s'est passé au SAD. Donc, la date-là, elle est détruite. Ça, c'est la première ambition qu'il avait en fixant cette date. La deuxième chose, c'est quoi? C'était qu'il y a le sang. Parce que lui, il sait pertinemment que, consciencieusement, qu'il a écouté les gens. C'est charlatan à lui qui l'ont dit, pour que tu deviennes président de la République, il faut qu'il y ait beaucoup de sang, que le sang coule. C'est pour cela qu'il a fixé, il a pris ses billets, il est parti. Donc, pourquoi Alpha Condé, il ne peut pas être entendu. Et j'ai entendu dans le procès, beaucoup des avocats ont demandé sa comparution. Pourquoi il ne vient pas? Le procureur de la République n'a pas d'ordre à recevoir de n'importe qui. Une fois que dans un procès sérieux, on est en train de siéger ici en matière criminelle. Moi, je ne dis pas procès criminel, parce que je dis, accentue procès en matière criminelle. Pourquoi je le dis? Je sais, parce que je vais donner toute la sagesse au tribunal d'arriver à ce qu'on appelle à la manifestation de la vérité, la manière la plus idoine. Oui. Mais, tel que je vois les trajectoires, on dirait qu'il y a des Guinéens épargnés et d'autres qui sont incriminés. Et comme je l'ai dit à l'entame de cette affaire-là, de cette interview, je pense dangereusement que ça ne peut pas aller comme ça. Je pense dangereusement que quand vous parlez de droit, le droit est au-dessus de tout le monde. Ouais. Le droit n'est pas à protéger ni ta mère, ni ton papa, ni ton cousin. Le droit, c'est pour tout le monde, dans le cadre de la République. Ouais. Donc Alpha Condé doit être béni pour qu'il ait la manifestation de la vérité. Très bien. Mais tout ça dépend de qui? Du pouvoir du procureur de la République. Parce que c'est l'empereur de la poursuite du procureur de la République. Si le procureur de la République, parce que j'ai entendu un procureur dire l'autre fois, dire « Toumba, je te respecte ». Toi, tu respectes un criminel. quelqu'un qui est parti au sein des militaires, il n'a eu aucun droit de partir là. Il a parti pour quoi là-bas? Pourquoi tu peux dire, soit tu as pris parti, ou alors on t'a dit, oui, il faut incriminer les gens. Parce que ce procès, sa connotation, ça sent pas bon.
Parce que j'ai appris que même il y a des sommes qui ont été dédiées pour dédommager les victimes. Les dédommagements en matière de droit, il vient après. Oui. Il vient après que le droit soit dit. Il faut d'abord que le droit soit. Donc vous connaissez déjà les montants qu'il faut affecter aux familles. Ce n'est même pas le tribunal qui a mais on est dans quoi là? C'est pour cela que j'ai trop peur. Non. Moi, je pense que quand les hommes ont pris leur disposition, il faut porter le pantalon pour exhiber ce qu'on sait faire dans le cadre de la République. La République n'a pas de frères, la République n'a pas de sœurs, la République n'a pas de parents à protéger. La République, c'est l'affaire de tout le monde. Yep. Donc c'est pour cela que j'ai peur dangereusement. Il faut que le ministère public se lève. Parce que ce que je viens de dire, le procureur, en un sens, qui était là à l'époque des faits, il doit être entendu. Parce que s'il avait fait ces mesures à temps, ils avaient fixé les périmètres de sécurité, aucun intrus n'allait rentrer pour prendre les corps. On devrait savoir au moins comment les gens sont morts, est-ce qu'ils ont été tirés à barrière, etc. Parce que, selon nos informations, nous savons que les gens, certains Guinéens, ont été enterrés vifs. C'est-à-dire qu'ils ont été blessés, ils pleuraient. Ils les ramassent, ils les mettent dans les camions pour les enterrer vifs. Pourquoi? Parce qu'ils connaissent déjà le visage des gens qui étaient sur le terrain. Et donc voilà le cafouillage dans ce. Il faut qu'on cesse de dire l'époque de secteur est révolue. Aujourd'hui, on est dans une époque moderne. Époque moderne où on doit vraiment se sacrifier. Quand on s'engage à diriger une nation, il faut se sacrifier pour tout le monde, pas pour une catégorie de personnes. Abandonner cette idée-là parce qu'elle n'est pas progressiste. Pas du tout. Très bien. Vous avez écouté notre frère, nous allons passer quatrième question. Monsieur Touré, lors de sa comparution devant le tribunal, Touma avait dit que les recrues de Kalea ont été formées par les instructeurs israéliens envoyés par le milliardaire Benny Stiftman, ton patron de la société BSGR. C'est une réalité? Vous savez, monsieur Camara, même. Moi, je vais vous dire, je n'ai pas besoin de me commenter pour ça. Moi, je suis un gars qu'on appelle légaliste. C'est-à-dire, dans le commandement, je suis vraiment républicain. Oui. Je suis vraiment républicain dans mon commandement. Oui. Donc, il faut d'abord, quand Toumba parle, c'est pour cela que je regrette le fait qu'il n'y a pas d'instructeur militaire au sein de cette structure-là. Parce que normalement, la mission, demander à l'armée, qu'est-ce que c'est le recrutement? Un recrutement, ça se décide où? La première décision des recrutements, ça décide où? Au Conseil des ministres. C'est quand le président, c'est quand la République en fait une demande. Parce que on dit que l'effectif est graduel et que chaque année, ou bien chaque 5 ans, il faut faire le renouvellement. Pour au moins garder le même effectif. C'est la même stratégie que vous avez aux États-Unis. Aux États-Unis, c'est chaque année. En France, c'est chaque année. Ouais. Parce qu'on dit chaque année, on envoie les gens en retraite, il faut que le effectif soit compensé. Donc la décision se fait en Conseil des ministres. Mais qui prend la décision? C'est le ministre de la Défense nationale qui évoque le dossier en Conseil des ministres. Mais lui seul, même quand il reçoit l'aval du président de la République, il faut qu'il reçoive ce qu'on appelle l'aval du ministre du Budget. Parce que le ministre du Budget sait que quand il recrute, c'est un emploi encore par rapport aux dépenses nationales. Et ce n'est pas que le ministre des Budget. Le ministre des Finances a son mot à dire. C'est lui le patron des pays. Yeah. C'est lui qui dit oui, j'ai l'argent pour vous. Voilà. Et donc voilà. Donc, des recrutements, ça se décide en Conseil des ministres. Et c'est piloté par le ministre de la Défense nationale en fonction du besoin du gouvernement, donc de la République. Donc quand dans un procès comme ça, quelqu'un t'envoie des cacahuètes comme ça, « Ah, c'est tel milliardaire américain, c'est quel milliardaire israélien qui a financé. » Mais ça, c'est des cacahuètes, ça, c'est des biscuits, ça, c'est des biberons, ça, c'est dépassé, ces arguments-là. Merci. C'est dépassé. Et puis tu dis ça, tu vois que c'est tellement grotesque que tu te rends compte qui a dit ça. On sait que qui a dit ça. On sait évidemment qui a dit ça, qui a piqué ça dans la tête de Toumba. De Toumba. Alors, pour ce que moi je sais que cette idée, elle vient d'Alpha Condé. Parce que c'est Alpha Condé qui fait face à Benny Stiftman et qui a inculqué ça à Toumba. Parce que Alpha Condé, c'est lui qui a motivé Toumba. Il a proposé 10 milliards pour faire ce job-là. Toumba ne peut pas dire ça au tribunal. 10 milliards. Dans les 10 milliards, il a donné 1 milliard avant que Toumba ne fasse les trucs. Il s'est resté entre eux 9 milliards. Très bien. Dans les 9 milliards, c'est quand il était à Dakar, il appelle les gens assis, ses amis. Toumba appelle ses amis militaires. À chaque fois qu'il amène quelqu'un, dit au vieux de payer mon argent. Quand ces derniers lui donnent l'information au vieux, le vieux met une commission restreinte pour éliminer ces gens-là qui ont fait le truc-là. Parce que le vieux ne veut que personne ne soit au courant. Le dernier
où la dernière victime en date, c'est celui qui a été tué là, le soldat qui a été tué au plan Bimbea. Une fois qu'il a transmis, ah, le grand veut son argent, il faut que voilà, vous arrangez. Il a été éliminé par Alpha. Ils organisent des gens pour aller appeler le petit, il est chez lui. On l'appelle, viens, viens, on va te voir en ville là-bas. Vous-même, vous connaissez la ville, le Kaloum, Almamia. Les gars tirent en la rouge. Ça, c'est la dernière victime de la réclamation de du montant restant là. Pour Touba. Mais Touba qui n'a qu'à dire, quel est le leader politique qui a donné 100 000 dollars pour faire ce job-là? Quels sont les gens qui ont donné 54 000 dollars? Il a tous les montants. C'est pourquoi Touba, c'est le prisonnier le plus riche au monde entier, parce qu'au moins, oui, son salaire dépasse chaque mois 10 000 dollars, pas plus de 10 000 dollars qu'il reçoit. Que le procureur fasse des investigations, qu'il se transporte dans la maison centrale là-bas. Il n'a qu'à voir, mais Touba, il n'est pas désarmé, parce que moi, je sais là où il est, il connaît. Il a la liste pour sa deuxième sortie, on appelle ça la sortie de secours, ou alors l'issue de secours. Au temps où il sera perpétré, mais complètement perpétré, qui va sortir cette liste-là, des militaires qui l'ont introduit dans ça et les civils qui l'accompagnent. Il connaît tout, mais il est en train de divaguer pour mettre un peu de pape pour tout le monde, pour essayer de distraire les gens. Quand vous citez des choses comme ça, comme je l'ai dit, on est en train de siéger en matière pénale. En matière pénale, on cherche la responsabilité, il faut sortir des preuves. En tout cas, jusqu'à preuve contraire, moi je suis fier, j'étais le représentant de Benny Steven en Guinée. Mmh. Et tout va même, il ne me connaît pas. Si quelque chose doit se passer en Guinée, ça doit se passer sous ma coupe. Bien sûr. Benny ne peut rien faire en Guinée sans ma coupe, sans ma présence, sans ma parole, sans ma signature. Donc tout ce qui est fait, tout ce qu'il dit là, ça c'est très content. Quelqu'un qui te dit, c'est le conseil du président de Kissa Soundousso qui est venu me dire. Mais il était qui, Denis Sassou Nguesso? Quel rapport entre Denis Sassou Nguesso et Touba, si ce n'est pas Alpha Condé derrière? Mais vous aussi, le tribunal qui ouvre les yeux, des cacouettes passent comme ça, il n'y a personne qui interprète des trucs, ils cherchent les coupables. C'est ce qui fait qu'après 2009, il y a eu 13 ans, plus de 13 ans. 13 ans d'instruction, parce que jusqu'à présent, en matière de droit, on est dans une instruction. Là. La phase là, le procès là, la phase s'appelle instruction terminale. On est dans cette instruction, jusqu'à aujourd'hui, on ne cherche pas, on ne trouve même pas le coupable. Qui a donné l'ordre? Parce qu'ils protègent. André, ils ont l'intention de protéger. Ce n'est pas normal. Un tribunal, c'est ça de l'indépendance. Yeah. Un tribunal, c'est la transparence. Ils cherchent à protéger. Il faut faire en sorte que, oui, au moins qu'on ait pitié des gens qui sont décédés. Oui. Paix à leur âme. Ce sont nos compatriotes qui se battaient pour la démocratie et pour la liberté. À ce prix-là, vraiment, on leur doit de la prière chaque nuit, chaque jour et chaque moment important. Yeah. Ça, c'est clair. Très bien. Awaïre Ngakre, toujours, vous avez écouté notre frère encore concernant Benny Statement d'après Touba. Parce que je vous ai toujours dit, Touba là, c'est le cerveau de cette affaire du 28 septembre. Et le prisonnier le plus riche, comme l'a dit de mon frère, c'est lui. Allez-y, visitez la maison centrale, là où il dort, aménagé comme un ministre. Ça veut dire quoi? Mon frère, il y aura la justice dans ce pays. C'est notre objectif, c'est notre souhait d'ailleurs. Alors le procureur, il faut faire ton travail. Vous êtes là à protéger des vrais coupables de ce procès. Ça ne va pas se passer comme ça. Très bien. Monsieur Touré, c'est bon? Oui, ben oui, ça va. Ok, maintenant... ça va. Akouloum, on va tomber parce qu'on a affaire, n'a pas fait, affaire militaire, on a affaire, voilà. On non, mais a parce que... Parce que Moutan, on se dit la vérité, moi je suis né au camp militaire, le premier camp, le plus important, le camp de Béangère, je suis né là-bas. Donc personne ne me parle de l'art militaire. Ma famille, mes parents, tout le monde est militaire. Donc voilà, mon père était un ancien militaire. Donc moi je connais ça, c'est dans mon sang. Moi-même, j'ai été recruté pour venir en France pour être militaire, oui, être dans la division de... Donc voilà, moi je connais ça. Donc c'est mon métier. Ce n'est pas parce qu'il est juriste, il est consultant indépendant qu'il ne maîtrise pas ça. Et je suis ami à beaucoup d'officiers, je connais. Je connais ce que je dis. Donc c'est pour cela que je suis heureux que l'invité qui va venir, le général là, qu'il fasse beaucoup d'efforts dans le cadre. Non, ce que vous avez donné comme explication, et ce général là, mon frère, croyez-moi, ne peut pas m'expliquer comme ça. Et je ne vais même pas essayer de toucher son nom, parce que lui, c'est autre chose.
Tout ce qu'on est en train de vaincre aujourd'hui comme malheur, c'est lui. Je ne vais pas dire son nom ici. Ratananaki. On va évoluer. Très bien. Si le procès continuait de cette manière-là, en tant que juriste et consultant indépendant, quelle conclusion vous pouvez anticiper, surtout sur la fin de ce procès, si ça continue comme ça? Vous savez que, au-delà de tout ce qu'on vient de dire, oui, sur l'importance de mettre un toilettage, parce que le procès a besoin d'un toilettage, il a besoin d'être recadré, il a besoin d'être réétudié. Parce qu'il ne faut pas que certains pensent que ce qui était là depuis l'époque de Sékou Touré, là, ça c'est fini ça. Arrêtez ça. Ça c'est fini. Parce qu'en Guinée, je disais à un de nos compatriotes que l'expression Guinée égale complot. C'est-à-dire que tout ce que les gens font, c'est du complot derrière. Ils ne font rien. De combine. Yeah. Tout ce qu'ils font, c'est des combines. Yeah. Tout ce qu'ils font, c'est des combines. Oui. Cette histoire est née depuis 1958 à la prise des pouvoirs. Des bêtises ont été faites aux Guinéens que les Blancs, les colons n'ont même pas fait. Donc il ne faudrait pas qu'ils se retrouvent encore à travers cette photocopie-là pour dire qu'on a encore droit de répéter ça. Pour tout simplement chercher à rétrécir le droit des uns et protéger les autres. Ça ne va pas exister, ça. L'armée même le sait. Ça existe dans le code, les règlements de l'armée. Même quand ton supérieur te donne l'ordre, aller tirer sur telle personne, toi-même tu sais que c'est écrit que tu ne dois pas exécuter un ordre illégal. Interdiction d'exécuter un ordre illégal, même si c'est ton général qui te dit. Ouais. Si l'ordre est illégal, toi, l'armée, toi, militaire, toi, soldat, tu n'es pas obligé de le faire. Ouais. En ne le faisant pas, c'est ton droit. Parce que tu n'es pas obligé de faire. Tout ce qu'ils disent, je suis parti là-bas parce que tel m'a dit de pas tel m'a. Mais ça, c'est faux. Ça, c'est des trucs. Des gens qui disent là, parce que moi, je regrette beaucoup, quand tu lis des procès-verbaux, tu te rends compte que les procès-verbaux ont été falsifiés. Je vous dis, je suis dans ma verticalité là. Je connais qu'est-ce qui peut se dire. Mais c'est dommage. Des gens qui sont décédés et qui faisaient partie de ces trucs-là, on décharge. On fait n'importe quoi de leur procès-verbal. Mais c'est pas normal. Pas du tout. Vous pensez que c'est les dires des procès verbaux là qui vont accuser, qui vont incriminer les gens et les autres? Non. Parce que tel qu'on continue, j'ai même entendu les gens, je les ai vus exhiber des photomontages là sur YouTube. Les procureurs qui acceptent des bêtises comme ça là, pour dire oui, mais ça c'est quoi? On est dans quel. Donc on connaît déjà la transaction. On connaît déjà quel est votre cheminement. On connaît déjà c'est quoi. Donc arrêtez ça. Je crois qu'il faut que les gens portent vraiment les choses nécessaires pour faire avancer ça de manière correcte. Je ne peux pas admettre qu'à ce jour, que les gens continuent à jouer des sales rôles là. Ce n'est pas normal. La justice, elle doit être indépendante. C'est pourquoi on a créé les trois pouvoirs, hein, exécutif, législatif et judiciaire. Chacun des pouvoirs doit être indépendant pour la bonne marche de l'état de droit. Sans ça, il n'y a pas d'état de droit. Sans ça, on va dire que c'est un seul commandant qui dit et vous exécutez. Le ministre de la Justice doit veiller sur l'exécution correcte du procès. Mais le ministre de la Justice ne se mêle pas du procès. C'est ça le truc. Le procureur de la République, il doit faire attention. Tout chaque fois que le nom de quelqu'un rebondit, une fois, deux fois, trois fois, son devoir c'est d'interpeller et d'écouter. Parce qu'à la fin de tout, il faudrait que la vérité soit dite. Mais si vous n'avez pas fait ça et qu'il y a des manquements, à la fin vous sortez pour dire. C'est pour cela que moi, avec tout l'outil que j'ai en matière de la consultation, je pense, pour être honnête avec vous, que ce procès, un jour ou l'autre, le président du tribunal sera obligé de dire le procès est suspendu sine die. C'est-à-dire qu'il suspend le procès, il dira non, il n'y a pas de jour pour la reprise. Peut-être qu'il peut même se focaliser pour dire l'argent qui est affecté pour le trip, c'est fini. Donc en attendant, il faut que l'argent soit encore un autre budget pour exécuter, pour voter, pour que au moins qu'on continue à faire avancer. Parce que en évitant l'essentiel, c'est-à-dire en faire venir ce que je viens de dire, pour que le procès marche, il faut faire venir tous les gens que je viens de citer. Il était où le procureur de la République à l'essence de Dixine, à l'époque des faits? Il est où?
Il est où le directeur du stade? Il est où le Alpha Condé? Il est où les gens qui sont des membres du gouvernement des choses, de Dadis? Il est où le ministre de la Défense même? Quoi dans le gouvernement d'Alpha Condé? C'est eux qu'il faut attaquer. Parce que pourquoi ils sont dans le gouvernement? Parce qu'ils ont quelque chose à faire. Oui. Nous savons tous l'implication de Papa Coli. Qu'est-ce qu'il a fait? Nous savons tous, c'est lui qui a payé l'argent aux gens de la forêt pour faire des manifs pour soi-disant soutien pour Dadis. Une façon de tordre, parce que tout simplement, un ancien chef d'État de l'Afrique de l'Ouest lui a téléphoné pour dire, un des protégés d'Alpha Condé, il lui a dit, ok, mets-toi là-bas, la bague est terminée. Arrêtez ça. Il faut dire le droit, il faut dire les choses, il faut avoir pitié des gens qui sont morts. Il faut avoir pitié de leur mémoire. Ils se battaient pour notre démocratie, ils se battaient pour notre état de droit, ils se battaient pour notre liberté. Leur façon de les récompenser, c'est pas des insultes. Parce que conduire un procès comme ça, qui va épargner d'un groupe et cibler d'autres, si on ne fait pas attention, je répète mon mot, on va tout droit vers une guerre civile. Et la guerre civile, quand elle va arriver, je crois que ça va barder. Il y a des pays qui ont connu ça en Afrique. Il y a le Rwanda qui a connu ça. Et le Rwanda, quand il a connu, le Rwanda, c'est quoi aujourd'hui? Le Rwanda, vous connaissez maintenant la conduite du Rwanda et des Rwandais. Et les Rwandais. Vous connaissez la conduite des gens de Burundi et les Burundais. Donc, vous connaissez tout le monde. Vous connaissez après la guerre, on dit après le show, c'est le bon temps qui vient maintenant. Donc, il faut qu'on évite d'arriver à ce stade-là. Tous ceux qui pensent à ces idées bizarres-là, à ces idées de vengeance-là, à ces idées de trucs-là, parce que c'est ce qui anime certains, des idées de vengeance. Ah, c'est notre tour. Il n'y a pas de tour dans la République. La République, comme je le dis, c'est res publica, la chose qui appartient à tout le monde. Mais déjà, ça se voit. Moi, je suis président de la République en Guinée, je n'accepterai jamais que mon ethnie soit 80% membre du gouvernement, mon ethnie soit 80% nommé dans les emplois militaires et civils. Non. Yeah. La République, c'est pour tout le monde. Yeah. Quand Lassane Conté était là-bas, même quand il faisait le gouvernement, on sait combien de sous-sous il y avait. Il y avait des fois 5 sous-sous, 5 forestiers, 5. Mais on se. Je sais pas. Ce que le général Conté a fait entre 84 jusqu'en 2008, nous, on a grandi, on pensait pas à l'affaire d'ethnocentrisme. C'est maintenant que, avec le gouvernement d'Alpha Condé, qu'on a commencé à voir ces copies-là. Et tu as vu, aujourd'hui, ce monsieur-là, tellement qu'il a la place sur lui, quand il a quitté, il est parti en Turquie. Et qu'est-ce qui se passe en Turquie? C'est sans commentaire. Ça, c'est notre problème. C'est sans commentaire. Quant à toi. C'est sans commentaire. Yep. Donc voilà. Très bien. Il faut éviter pour ne pas qu'on arrive là. Parce que les gens ne vont jamais. Et moi-même, le premier, je ne vais jamais tolérer ça. Vous savez, nous, on ne parle pas. Si ce n'est pas vous, au moins, qui avez eu l'honneur là de nous inviter pour parler. Mais ça, c'est un grand plaisir pour moi aujourd'hui d'avoir mon frère. On ne parle pas. Nous savons beaucoup de choses, mais on ne parle pas. Mais aujourd'hui, si on parle, on avertit. Parce que moi-même, je serai à la première ligne du front. Je serai à la première ligne de front. Parce qu'on dit que pour son pays, aucun sacrifice n'est de trop. C'est pour cela que nos compatriotes se battent. Il y a d'autres qui sont morts, mais ils sont morts pour nous. Yeah. Mais il faut, pour qu'on vive l'état de droit, ça n'a pas commencé par nous. Je vous ai rappelé l'histoire de la France. Oui. En 1789, les gens se sont levés. Et ils ont introduit ce qu'on appelle la démocratie, l'état de droit, la République, avec ses fonctionnements et ses institutions. L'armée est une institution. Quand tu vois les Toumba là, quand tu vois les gens qui sont à la barre parler de l'armée, ils salissent l'armée. C'est comme si en Guinée, il n'y a pas d'intellectuels. Quand tu les entends parler de ce procès, c'est comme si c'est de la honte. Ils disent n'importe quoi. Ils disent n'importe quoi. Et le procureur, il est là, il accompagne même certains trucs, je ne suis pas... J'ai entendu une dame professeure vous dire, mais vous ne pouvez pas vous calmer, vous ne pouvez pas... C'est son rôle, ça. Dire à un accusé, vous ne pouvez pas vous calmer. Celui qui est censé de se défendre, vous devez lui donner toute la latitude de se défendre. Ce n'est pas vous, procureur, qui allez vous imposer pour dire, vous ne pouvez pas vous calmer. Non, vous n'avez pas ce droit-là. On est dans la dictature ou dans quoi, là? Sa vie est en danger, il doit se défendre. L'accusé doit se défendre parce que s'il ne se défend pas, il sait quelle est la peine à encourir. Voilà. Quelle est la peine à encourir? Il se défend à sa manière. D'autres questions? C'est pas comme ça, mon frère. Vous savez. Ce n'est pas comme ça. Non, pas du tout. Ce n'est pas comme ça. Ça dit évacuer les choses essentielles. Quand Toumba a dit, le conseil spécial de Denis Sassou Nguesso est venu me voir, qui a prêté la question sur ça? Qui a envenimé? Alors que c'est le chapitre important de la compréhension de cette affaire. Comment un conseiller principal d'un président de la République peut se déplacer pour voir
un commandant ou un lieutenant, je ne sais même pas son grade, parce que c'est les gens qui sont autogradés. Il y a eu beaucoup de bêtises, mon frère. Depuis la prise de pouvoir, pouvoir par Dadis, Dadis n'a gradé aucun général, aucun militaire, à part le général Sekouba. C'est le seul soldat qui a été gradé par Dadis. Tous les restes qui se disent, on m'a gradé, c'est si cela, ils se sont autogradés. Autogradés. Mais comme dans l'armée, les jours où la discipline va venir, l'ère nouvelle va venir, il y aura ce qu'on appelle l'application d'un principe qu'on appelle la rétrogradation. Tous ceux qui ont mis les grades là, vous n'avez même pas fait, comme j'ai rappelé, vous n'avez même pas fait vos formations, vous ne connaissez absolument rien de là que vous êtes en train de faire. Vous ne connaissez même pas les différentes étapes. Vous n'avez même pas fait votre CAT1, votre CAT2. Vous n'avez même pas votre cours de perfectionnement d'officier. Vous n'avez même pas votre cours d'état-major. Vous n'avez même pas votre CID, le collège inter-armes de défense. Vous n'avez pas ça. Mais pourquoi vous allez faire? C'est la radiation pure et simple. Pourquoi vous allez obtenir des grades? Nous savons que dans l'armée, au niveau des généraux, les généraux eux n'ont aucune formation à faire. Les généraux eux se déplacent pour des stages, des formations, pour des séminaires, pour des conférences. À part dès l'instant que tu es général, toi tu n'as aucune formation à faire. Toi tu voyages soit en Chine, en France, aux États-Unis pour assister au collège, tout ça, pour ça. Nous savons ça. Mais avant d'arriver là, tu dois au moins nous montrer aux Guinéens, voilà, j'ai fait ma commune de base ici, ce que les Français appellent la FETA. J'ai fait mon CAT ici, j'ai eu mon CATD ici. J'ai eu mon TTA ici, mon cours d'application ici. J'ai eu mon CPO ici, mon cours de perfectionnement d'officier ici, à telle année. J'ai eu mon cours d'état-major, comme Davis le dit. J'ai eu mon cours d'état-major ici, à cette période-là. Les gens qui n'ont aucun papier, aucun document, se retrouvent dans le grade. Moi, je suis premier ministre, je vais radier tous ces gens-là. Vite! Et parce que, en le faisant, ça nous permettra au moins d'alléger notre défense, notre budget. Pour que les gens qui n'en bénéficient pas, ils puissent au moins en bénéficier ou orienter ça dans le secteur de l'éducation ou dans d'autres affaires. Yep. En tout cas, l'armée, ce n'est pas la pagaille. Tel que les gens nous décrivent dans le procès, ce n'est pas bon. Ce n'est pas une bonne image pour la Guinée. La Guinée est un pays qui a participé au développement de certains pays, qui a aidé certains pays à se doter de leur indépendance. Comme la Guinée-Bissau, comme l'Angola. L'Angola, oui. Et la Guinée a envoyé même des soldats en Algérie, au Vietnam, etc. C'est un pays historiquement militaire. Aujourd'hui, on ne peut pas laisser, à cause d'une structure, pour des gangs qui se servent de leur ethnie ou de leur région, salir toute une armée, ça ne doit pas se passer. C'est un dommage que je vois que le ministre même de la Défense, il porte le grade du général du corps d'armée, alors qu'il n'est pas militaire. Et les gendarmes, limitez-vous à ça. Baldé, enlevez les grades là, de général. Voilà. Remettez votre grade de général de division, limitez-vous là-bas. Parce que, comme je l'ai dit, dans le grade de général de division, il faut qu'il y ait au moins 200 000 hommes. Il faut au moins 15 000 à 20 000 hommes. Est-ce que dans l'armée, dans toute la gendarmerie, vous avez 20 000 hommes? Non. Si vous avez 20 000 hommes, vous pouvez avoir un général. Mais si vous avez 10 fois 20 000 hommes, vous avez au moins 10 généraux de division. Mais si vous n'avez pas ça, comment vous pouvez passer? Même, ce n'est même pas sérieux. Parce que quand vous vous déplacez, vous partez dans les séminaires où vous voulez demander des formes pour la refondation de l'armée. Les gens qui sont vos collègues là, aux États-Unis ou bien en France, quand ils vous regardent votre galon, ils regardent, ils disent, mais vous, votre corps de résistance, quoi, vous êtes gendarme. Mais pourquoi vous portez le. Ils vont pas vous prendre au sérieux. Ils vont vous diluer, ils vont quitter, ils vont pas vous prendre au sérieux. Il faut respecter ce qui se dit. J'entends même que certains appellent Doumbouya général chef suprême des armées. Il n'existe pas ce thème-là. Dans l'armée, il existe ce qu'on appelle le commandant en chef des forces armées. C'est ce qui existe aux États-Unis pour les présidents qui sont issus du régime présidentiel, donc du régime présidentiel, pas qui sont du régime parlementaire. Ceux qui sont issus du régime parlementaire, il y a la fonction appartient au premier ministre. Mais ceux qui sont du régime présidentiel, comme aux États-Unis, le président américain est le commandant en chef des forces armées guinéennes, des forces armées américaines, qu'ils soient civils, militaires, femmes ou homosexuels, ou etc., etc., il est le chef d'état-major de l'armée. Tu vois, le commandant en chef des forces armées. En Guinée, le président de la République est le commandant en chef des forces armées. Mais il n'y a pas de chef suprême des armées. Enlevez les mots là. Les mots là sont les mots anciens là. Ce sont les mots de l'état de Sékou Touré ça. Il faut enlever ça. Enlevez ça, ça n'existe pas. Enlevez ça, gommez ça. S'il vous plaît, pour le respect de la Guinée. Il faut respecter ce qui est dit. Il ne faut pas inventer ce qui n'est pas dit. Très bien. Voilà, M. Touré, vraiment une fierté pour moi aujourd'hui d'avoir un monsieur expérimenté
doué de l'intelligence, un professionnel de nous expliquer la nomenclature de notre armée, de l'armée en général. Vous avez vu ce qui se passe aujourd'hui dans notre pays, au sein de l'armée guinéenne. C'est de n'importe quoi. Ça dit bien ce qu'a matira. Monsieur Touré, ma dernière question est de savoir, c'est-à-dire, je suis un peu confus, c'est-à-dire, toujours, j'oublie ça de poser cette question à mon frère, l'autre là, Foguet. Quelle est la différence entre la police et la gendarmerie? Parce que je ne connais pas la partie là, mais j'ai la confusion, parce qu'il faut qu'on m'explique brièvement, que je cherche la différence entre la police, parce qu'ils font du même boulot. Parce que ici, par exemple, comme c'est un pays anglophone, mais je vois souvent ici la police détective, la police routière, la police judiciaire. Mais la gendarmerie, je ne sais pas, parce qu'il y a tellement... Mais comme on vit dans un système français, pouvez-vous nous donner l'explication, entre la police et la gendarmerie? Parce que, honnêtement, j'avais même décidé, arrivé au pouvoir, je vais destituer, c'est-à-dire détruire la gendarmerie, seulement la police. Oui, parce que vous êtes dans la culture américaine. Yes. Dans la culture américaine, il n'existe pas ce qu'on appelle les soldats dits gendarmerie. Quand je dis soldats, je veux parler des militaires, c'est-à-dire juste pour ça. Je sais que les gendarmes ne sont pas des soldats. Comme je vais rappeler ici, les soldats, c'est armée de terre, armée de mer et armée de l'air. La police et la gendarmerie, ce qu'il y a de commun entre ces gens-là, c'est qu'ils sont tous ce qu'on appelle des paramilitaires. Mm-hmm. Para, ça veut dire des gens qui se comportent pour militaires. Oui. C'est-à-dire qu'ils font des choses comme des militaires parce qu'ils portent des uniformes. Mais même entre eux aussi, il y a une différence. Parce que la gendarmerie, comme je l'ai rappelé, elle a été une force. C'était pour calmer et renforcer ce qu'on appelle l'état de droit. Eux, en France, ils sont dédiés comme les soldats de la loi. Un gendarme est un corps qui doit être respecté. Parce que c'est lui qui, par le biais du procureur de la République, se met debout pour le respect de la loi. Vous comprenez? La police aussi fait la même chose. Mais pourquoi on a dit la police? La police, comme on dit, la police, c'est les hommes qui veillent pour la sécurité de la cité. Mm-hmm. Comme à la différence avec l'armée, avec la gendarmerie, vous savez, la gendarmerie est divisée en deux. Il y a la gendarmerie dite nationale et la gendarmerie départementale. Par exemple, la gendarmerie son pouvoir peut être prolongé jusqu'à dans le milieu rural. La gendarmerie, puisque c'est un corps d'élite, elle fait beaucoup de choses. Elle fait même au-delà de sa fonction de protection ou de perception de l'état de droit ou des manifestants, etc., etc. Elle peut même conseiller même des agriculteurs. Elle peut voir un agriculteur qui est en difficulté. Elle peut dans la race campagne, parce que la gendarmerie, son pouvoir s'étend jusqu'à dans la race campagne. Et le gendarme peut consulter le cultivateur pour dire oui. Il peut te dire oui, mais moi, c'est les semences qui me manquent. Voyez-vous, j'ai tel souffle. Parce que tu vas, mais j'ai pas des engrais, etc., etc. Il fait le rapport là, il donne à son chef, hiérarchique, qui donne à l'autre. Pour vous dire que la gendarmerie, tellement que les gens en ont fait une pagaille chez nous. La France qui a créé la gendarmerie. En France, il y a ce qu'on appelle la structure numéro un qui gère la gendarmerie, c'est la direction nationale. C'est comme la direction nationale de la police. Donc, comme je l'ai dit, ce qui est commun, le patron de la gendarmerie en France, c'est un directeur national de la gendarmerie. Alors qu'en Guinée, déjà, pour te dire qu'ils en font comme un thème militaire, ils disent chef d'état-major, il y en a même qui disent haut commandement, c'est pas normal. Il ne faut pas sortir de l'échiquier, vous ne pouvez pas recopier les gens et faire au-delà, non. Le pays même qui a créé a mis en exergue une direction nationale pour gérer les gendarmes. Comme pour vous dire que ce n'est pas un corps qui fait partie des soldats, donc de l'armée. C'est un corps qui a une zone tampon entre les civils et les militaires. Son rôle, c'est sur toute l'étendue du territoire. Au-delà des zones urbaines, la gendarmerie s'occupe des zones rurales. C'est ce que la police ne fait pas. La police, elle s'occupe que des cités, les agglomérations.
C'est pourquoi en Amérique, quand il y a quelque chose, directement, le procureur général envoie la police et la police fixe les périmètres de sécurité pour ne pas que personne rentre là-bas dans la surface. Yep. Jusqu'à ce qu'il recueille les preuves. Yeah. Et dans la police, il y a beaucoup de choses. Il y a la police scientifique, et aujourd'hui, il y a la police, comme on appelle, qui sont sur le lumière, là, l'Internet, tout ça, qui veille sur tout ce qui est. Donc, il y a la police dans tout, parce que la police, elle fait partie de la vie des citoyens. Il y a certains pays, par exemple, comme le Costa Rica. Là-bas, il n'y a pas de militaires. Il n'y a pas de militaires de Costa Rica. Hein? Ils ont supprimé les dépenses militaires. Il n'y a que la police là-bas pour gérer au moins les affaires courantes, les manifestations, en tout cas, toutes les civilités là, c'est géré par la police. Donc, voyez-vous, donc, il y a des pays qui optent pour dire oui, à partir du moment où je supprime l'armée, je vais prendre l'armée, le budget de l'armée, je vais injecter ça dans d'autres développements. Mais nous, en Guinée, nous sommes un pays de tradition militaire. Nous avons aidé certains pays à se doter de l'indépendance. Nous avons œuvré pour beaucoup de choses sur le plan national, africain et ailleurs. Mm-hmm. J'ai parlé de Vietnam. Nous, nos parents étaient au Vietnam pour combattre pour le pays. Yeah. Donc voilà. Donc nous, on ne peut pas abandonner ça. Quand le général Lancelot Conté était là-bas, la Guinée était la deuxième puissance militaire de l'Afrique de l'Ouest après le Nigeria. C'est ce que je vous dis. Avec toutes les informations que j'ai, quand tu me dis, par exemple, je pars au Nigeria, à Abuja, comme j'y vais souvent, Quand je connais directement le nombre de généraux, je connais combien de fois, il y a combien d'effectifs de l'armée, comme effectif de l'armée nationale de Nigeria, l'armée fédérale du Nigeria, parce que c'est une république fédérale. Mm-hmm. Donc, il suffit seulement de me dire le nombre de gradés, de hauts gradés, oui. Notamment des généraux. Directement, je fais l'addition, je te dis oui, dans ce pays, parce qu'il y a des pays qui ont le complexe. Ils ne disent pas l'effectif de l'air. Alors qu'aux États-Unis, tout le monde connaît. En France, tout le monde connaît. En Chine, tout le monde connaît. Ouais. Tout le monde connaît. En Russie, c'est mieux. En Guinée, on n'a même pas 50 000 hommes. Comment on peut avoir 3 généraux de corps d'armée? Comment ça peut exister? Dites-moi pourquoi ça existe. Et pourquoi même ça ne relève pas de votre corps? Pourquoi vous continuez à mettre ça? Si vous devez donner, quand on est chef, on donne la leçon aux autres. On devient exemple. Même pas exemple, on devient modèle pour qu'on puisse vous copier. Mais si vous, par complexe ou bien par je ne sais pas quoi, vous portez des choses qui ne vous appartiennent pas, ça c'est inquiétant. Donc c'est un peu ça. C'est pour cela que, dans ma démarche, j'ai voulu vous faire part des divisions et des grades au niveau des officiers. Mm-hmm. Quand tu résumes, il n'y a que deux grandes classes au niveau des officiers. Il y a les officiers, les sous-officiers, les officiers. Dans les sous-officiers, vous avez les hommes de rang, les caporaux, les adjoints, les sergents et les adjoints-chefs. Donc, tu vois, donc dans les officiers, vous avez les sous-lieutenants. D'abord, ça commence par les aspirants, les sous-lieutenants, les lieutenants, les commandants. Ensuite, vous avez les lieutenants-colonels, les colonels, les généraux. Et les généraux sont de trois ordres, comme j'ai dit, généraux de brigade. Des généraux de division et de corps d'armée. Et vous avez aussi le chef. Donc, tu vois, dans ces deux grandes classes-là, vous avez quatre classes différentes. Parce que quand vous prenez la famille des sous-officiers, il y a ce qu'on appelle les sous-officiers sous-baptême et les sous-officiers. Les sous-officiers sont les hommes de rang, sous-baptême sont les hommes de rang, c'est-à-dire les caporaux, etc., etc. Alors que vous avez les sous-officiers supérieurs, eux, ils sont, par exemple, les sergents, les adjoints, et les adjoints-chefs. Comme dans le cadre des officiers supérieurs, vous avez aussi les officiers supérieurs de première classe, c'est-à-dire qu'on appelle les officiers supérieurs subalternes, qui sont les aspirants, des sous-lieutenants, des lieutenants et les commandants, alors que vous avez les officiers supérieurs qui sont les commandants, les lieutenants, les colonels, et vous avez les officiers généraux qui sont les différents types de généraux, là, c'est-à-dire les officiers, les généraux de brigade, de division et de corps d'armée. Mais je vous donne la nomenclature en fonction de l'armée de terre, parce que l'armée de terre, même quand toutes les armées sont réunies, le commandement revient, selon la loi militaire, à l'armée, au commandant de l'armée militaire, ou donc au patron de l'armée de terre. C'est pourquoi l'armée de terre, elle sert la base de ça. Quand je vous donne tout simplement les références dans l'armée de l'air, il y a des appellations qui différencient en fonction des étapes supérieures là. Donc c'est un peu ça. Si on ne prend pas garde pour respecter nos propres institutions, qui va venir respecter ça pour nous? Personne. Si les gens occupent les institutions, ils font ça comme une sorte de règlement de compte. Vous réglez le compte de qui? C'est même pas. Vous réglez le compte de qui? C'est pas. Si on a une dose ethno ou bien une dose d'ethno qui coupe dans nos veines, si les Américains avaient la même, est-ce que Obama serait devenu président aux États-Unis? Non. Non. Non.
Non. Mais il faut opter à un moment donné, il faut regarder la République, ce qui appartient à tout le monde. Il faut regarder ça. Il faut regarder ça. Il faut laisser les idées, les peurs, les soussous, les malinqués. Laissez ça. Laissez ça. Prenez garde. Quand vous avez au commandement, prenez garde. Regroupez les gens. Organisez-les en fonction des mérites. Dans l'armée, c'est une instruction. Ici, pour avancer, il faut les mérites. Pour que tu quittes d'un grade 1 à un grade 2, il faut faire les mérites. Si tu es des soldats de première classe, tu fais 6 mois pour obtenir au moins un stage pour faire le CAT1. Il y a des périodes, mais toi tu n'as même pas 3 ans. Tu es lieutenant pour passer au capitaine pour au moins 3 ans. Ou bien tu fais un exploit moderne ou monumental pour qu'on te donne un grade comme ça. Là, c'est le compte, je l'ai rappelé. En 84, il était colonel. En 2008, il est général de corps d'armée. Mais les autres qui viennent, ils sont commandants, mais ils viennent du général de corps d'armée en l'espace de 9 mois. Mais c'est quoi ça? On est où là? On est où là? on a un frère, Jean, qui pose une question de savoir qui gère actuellement le régiment de Conakry actuellement. Donc, personnellement, moi, je ne suis pas... Il pose la question sur le régiment. Qui gère le régiment? Qui gère le régiment? C'est ça sa question. Comme je l'ai dit, d'abord le régiment, c'est une catégorie de structure de l'armée qui comprend entre 1000 à 1500 hommes. Oui. Comprenez bien, 1000 à 1500 hommes. Quand tu prends par exemple, comme dans le cadre de ce procès, on dit toujours qui est le chef du régiment. Qui est le chef de régiment? Mais qui est le chef de régiment? La question se pose. Mais ils ne savent pas qu'au niveau de la présidence, il y a un régiment. Mais ce régiment regroupe combien de structures? Premièrement, vous avez ce qu'on appelle les BSP, les bataillons de la sécurité présidentielle. Vous avez le GIR, c'est-à-dire le groupement d'intervention rapide. Vous avez le peloton nautique de CASA, ce qu'on appelle les FIMACO. Vous avez un autre groupe qu'on appelle les CPP, c'est-à-dire c'est le groupe de protection physique du président, des gens qui sont proches de la sécurité du président. Oui. Vous avez ce qu'on appelle la compagnie d'intervention et de sécurité du président. Vous avez ce qu'on appelle les cavaliers de Kindia, là, c'est que la compagnie de la cavalerie de Kindia. Oui, à Sambreya, là-bas, oui. Ce qu'on appelle un régiment. Parce que dans un régiment, ce n'est pas parce qu'on trouve, on dit oui, tout ne se retrouve pas sur une place, non. Comme je vous ai dit, c'est entre 1000 et 1500. Entre 1000 et 1500 personnes. Donc, maximum, c'est 1500 personnes. Oui. Quoi que ces 1500 soldats, ils sont divisés en plusieurs structures. Vous avez le BSP, là. Le BSP, le bataillon de sécurité présidentielle qui est à côté de l'hôtel de l'unité, là, du palais du peuple. Vous avez le peloton de CASA là, pour les FIMACO, vous avez beaucoup d'autres, les cavaliers. Donc, c'est beaucoup d'autres. Donc, ça, comme je l'ai dit, il est toujours dirigé par ce qu'on appelle un colonel de l'armée. Ce colonel-là, parce que pourquoi il dirige ça? Comme je l'ai dit, à chaque niveau de groupement que je viens, vous avez un bataillon. Comme je l'ai dit, le régiment, c'est au moins 4 à 5 bataillons. Un régiment, c'est 4 à 5 bataillons. Donc, voyez-vous, et les bataillons, non seulement sont dirigés par le commandant, mais le régiment, c'est pour les colonels. Donc, à l'époque des faits, qui est le chef du régiment? Les documents existent au niveau du ministère de la Défense. Ça existe là-bas. Pourquoi le procureur de la République peine à se procurer des documents? Ça existe. Parce que l'armée est structurée. À chaque étape de l'évolution de la structure, il y a une personne qui est nommée pour chaque poste. L'armée est structurée. Ce n'est même pas caché. Partez au ministère de la Défense. Il y a ce qu'on appelle là-bas, ou à la présidence, il y a quelqu'un qui reçoit toujours les copies avant que le président vous voie la copie. C'est le directeur du cabinet militaire à la présidence. Parce qu'à la présidence, il y a deux cabinets. Il y a le cabinet civil, il y a le cabinet militaire. Donc le directeur du cabinet, c'est les yeux et la bouche du président de la République en matière de l'avancement des dossiers militaires sur le président de la République. Donc lui, il connaît. Mais la copie se trouve au ministère de la Défense, parce que le ministre de la Défense, c'est lui. Quoi qu'ils ont fait dans l'armée, le premier témoin et le dernier, parce que c'est lui qui transmet. Si c'est pour discuter au conseil, c'est le ministre de la Défense qui transmet. Il connaît qui est, en l'occurrence, au moment des faits, qui était le chef de ce régiment. Quand je parle de régiment, je parle ici de régiment présidentiel, de la garde présidentielle, parce qu'il y a d'autres régiments pour d'autres causes. Comme je vous ai dit, l'armée, l'effectif de l'armée, en tout cas l'effectif renforcé du régiment,
Je vous ai dit, un régiment, ça va jusqu'à 1500 hommes. 1500 hommes. Mm-hmm. Donc c'est 1000 à 1500 hommes. Montrez-moi qui a été le patron de ce régiment. Il est patron de ce régiment, il dirigeait quel bataillon? Parce que chaque bataillon aussi a son chef. Les chefs de chaque bataillon, ce sont des commandants. Comme les chefs de chaque compagnie, ce sont des capitaines. Si tu n'es pas capitaine, tu ne peux pas diriger une compagnie. Si tu es lieutenant, tu diriges une section. Comme à la section du à la garde présidentielle, des gens qui sont les gardes. Quand je prends par exemple une compagnie, la section de la protection physique du président, il y a toujours des soldats qui sont là, les bureaux rouges, qui s'occupent, qui font la rotation chaque jour, 24 sur 24. Après le lendemain, d'autres font. Donc ça, c'est les sections. Mais ils sont dirigés toujours par les lieutenants. Au niveau des compagnies, ce sont les capitaines. Au niveau des bataillons, ce sont les commandants qui dirigent. Au niveau des régiments, ce sont des colonels, ou à la rigueur, le lieutenant-colonel. Parce que tu vois comment on dit dans l'armée, les galons signifient. Chaque galon a pour signification. Donc tu ne peux pas porter un galon alors que tu n'as même pas un seul homme derrière toi. C'est pour cela que les nominations de bêtises ont été une pagaille sur le règne de Alpha Condé. Il a pris l'argent sur les Blancs, sous prétexte de refonder l'armée, mais il a fait une pagaille. Il a créé une certaine armée pour lui et il a abandonné le reste. Et il a nommé les gens n'importe comment. Même les gendarmes ont accepté des nominations qu'ils ne méritaient pas. C'est ce que je suis en train de vous expliquer. D'où part de toute cette pagaille-là. En l'occurrence, le stade du 28 septembre, on a dit que les militaires ne doivent pas aller. Qui sont les militaires qui sont partis? Pourquoi voilà. Vous êtes partis? Est-ce que c'était votre rôle? Le rôle du maintien d'ordre appartient et à la police et à la gendarmerie. La gendarmerie doit, c'est son rôle, ça, de la sécurité civile, la protection, tu vois. Mais les autres, les militaires, eux, on dit armés. Ils sont armés. Comment quelqu'un qui est armé peut non, mais arrêtez avec ça. Si les gens qui sont partis, ils sont militaires, il faut les interpeller tous. Mais c'est compris. Si le chef d'état-major, c'est ce que je vous dis, si le chef d'état-major avait fait le compte, parce qu'on a dit les militaires doivent être congédiés le 28 septembre, s'ils avaient fait le compte, ils avaient recueilli les absents, on a cherché les absents. Mais c'est la même chose, on a retrouvé les Toumbala. Quand on a fait les fouilles, on a retrouvé que c'est eux qui ont tiré sur le président Lassalle Conté, sur l'affaire de Anko 5. Il a été même blessé à le faire. Toumba. Donc, c'est comme ça, c'est la méthode, c'est pratique. Ce que je vous dis, c'est pratique. Il suffit juste de faire et avoir des effets. Tu fais action, résultat. Monsieur Touré, même maintenant, la Guinée-Ké, ou tout le monde, ce qui nous parle ici de Toumba, ou tout le monde, il faut bien écouter le monsieur qui vous parle aujourd'hui là. Toumba, c'est un danger. Toumba. Parce que d'abord, l'ancien compte a attentat à l'échappement à Anko 5. Mais il faisait partie de ce groupe. Il a été blessé là-bas. Il a été même blessé là-bas. Il faut bien l'écouter. Toumba qui s'habille comme ça, on dirait que on a défilé de Bazin à Conakry. Mon frère, après. Et il fait des récitations de Toumba. Nous, on Coran, s'en fout de ça. Ça veut dire on quoi? Connaît l'islam plus que lui. Il n'a qu'à mettre ça. Il n'a qu'à. On n'est pas dans un tribunal islamique. Islamique, non. C'est ça, pas un c'est... tribunal islamique. C'est un tribunal criminel. C'est une bêtise. Et un prisonnier. Le plus payé. Vous pouvez continuer, monsieur Touré. Aujourd'hui, là, donc, je suis. C'est-à-dire, c'est pas possible. Donc, l'imbroglio là. A été accosté par qui? Qui est le chef d'orchestre du sang? Mais appelez Alpha Condé qui vient s'expliquer. Merci. Alpha Condé, il sait pertinemment que pour devenir président d'Afrique, il fallait que le sang coule. C'est pour cela qu'en 2000, il a organisé la rébellion de 2000. Il y a plus de 1000 Guinéens qui sont morts là-dessus. Depuis qu'il a été président de la République, en 2011, que la zone de Zérékouré, il y a eu au moins 500 morts. 500 morts. Et on ne parle même pas de la zone de Conakry, de la capitale ou de Kindia, hein, des zones de basse côtière là. À Conakry, il y a plus de combien de morts? Il y a plus de 400 et quelques morts. 400, yep. 400 et quelques cercueils. Yep. Et tout ça, ça n'a pas suffi. Il fallait organiser les événements du stade du 28 septembre sous prétexte d'Ali Zadi, si je ne fais pas attention. Mais il y a une différence entre l'intention et l'action. Et le procès criminel, en matière, l'ambiance en matière criminelle, il doit être adossé aux preuves. Il faut sortir les preuves pour prouver tout ce que je dis. En tout cas, moi, tout ce que je vous dis là sur votre antenne m'engage personnellement. Yep. Je le dis haut et fort. Tout ce que je dis sur votre radio m'engage personnellement. Tout ce que je vous dis sur votre antenne, sur votre page Facebook, etc., m'engage personnellement. Je suis lucide en le disant. Et j'ai toutes les preuves pour le défendre.
Donc voilà, moi c'est pour mon pays, je le fais. Je ne le fais pas pour l'ethnie Soussou ni pour l'ethnie Malinké. Je ne sais pas si les gens sont, parce que les gens en Guinée, s'ils sont de connotation Malinké, si tu touches seulement un des frères, ou bien ils sont de connotation, oui. Que tu touches seulement un des frères, oui. Ils sont frustrés, ceci, cela. Ils conclusent à leur manière. Ça, je vous laisse avec votre comportement. Moi, mon comportement, c'est pour mon pays. Et mon pays, tel qu'il a été géré depuis 58, je ne veux plus seulement que les doses d'injustice la continuent comme ça, à faire du mal aux gens qui n'ont rien à voir avec ça. Qui sont les gens qui ont fait, les coupables se promènent divertir ça? Ils sont dans les villas, ils sont dans les voitures climatisées, ils roulent avec leur argent, et vous prenez les petits gens. Je me rappelle, il y a un gars là-bas, c'était mon garde-corps, il y a un gars là, un gendarme là. Oui. Il est là-bas, il a fait combien de temps en prison? Il a fait depuis combien de temps? Il a fait plus de 13 ans en prison. Mais vous n'avez pas pitié, vous l'avez déchiré sa famille. Vous avez gâté sa famille, vous avez exposé sa famille, vous n'avez pas pitié d'eux. Et pourquoi d'autres qui ont fait ça, qui ont conspiré pour ça, ils ne sont même pas inquiétés? Donc il faut un réveil du procureur de la République. Il faut, vous savez, il faut vous mandater pour une mission. Mais, comme on le dit dans les jargons militaires, l'armée, son honneur, c'est son bonheur. L'armée, son bonheur, ce n'est pas l'argent. L'armée, son honneur, c'est son bonheur. Donc, réveillez-vous. Réveillez-vous avant qu'il soit trop tard. Merci. Alors, nous avons créé toujours au monde, c'est curé à Boloma, M. Jean Nafonfama. On fait maintenant l'orbite. L'ancien acteur attaque à preuve une atomane. On regarde dans l'œil, mon frère. Mon cadavre n'est PDG Rafah la Guinée. C'est de tuer complètement le système PDGiste en Guinée. Oui. Kanamuraba au Musika Madede. Ça c'est clair. Donc la Guinée cabre lama a raillé sa œuvre pour combattre ce système-là. Croyez-moi. Et votre dernier mot, Monsieur Touré, parce que on commence à avoir le temps. Votre dernier mot concernant ce procès est vraiment. Je vous remercie de votre patriotisme. Merci beaucoup. D'accepter, je le répète, d'intervenir devant milliers de mes auditeurs, parce qu'aujourd'hui, je vois ma sœur Fanta Jamila, elle est là, et ensuite Ousmane, c'est là, Jean, c'est des cadettes, ainsi de suite. Beaucoup sont là aujourd'hui à vous écouter. Votre dernier mot, et à Madame Matorago, parce que vraiment, je fais un tour et à Barrafama, à Barganina Nira. Autant me refrigner dans l'intervention de ma ou à Colomb ou dans Falama, ou à Colomb, dans Fena, la Guinée, ou à Colomb, le Sarrière et Yann Makina, sans la démagogie. Hamra Yernak, à mon masque de 64 ans, Hanya Wuna, base Serena. Alors, quand on voit la même fée, il y a la même année. Il n'a pas été d'arrivée, mais il y a la même année. À mon bord, il y a combien d'années on a eu base créée dans le fari? Combien à mon yére? Alors, jeunesse n'a rien été dans la Guinée. Je m'adresse à la jeunesse guinéenne. Réveillez-vous et il faut ouvrir les yeux. Ce n'est pas un problème d'ethnie. Ce n'est pas un problème d'intérêt. Moi, tant mon homme a vivé dans le faux. Ce n'est pas possible. Quand on a eu une femme d'intervenir ici, de parler de la Guinée, pour la Guinée, you're welcome. Et moi, il finit si il y aura une abbé. Moi, ma ethnie, il y a un homme. Mais, il y a une ethnocentrisme, il y a qui. Faut moi faire les miracles et rarou les phares n'a jouer la Guinée rafonce parce que c'est la justice qui est manipulée en Guinée toujours, ça a été toujours comme ça. Ouais. Donc monana moi dire na maintenant sans la justice on ne pourra rien résoudre dans ce pays. C'est pas seulement la Guinée. C'est un cas général. Donc monsieur Touré, votre dernier mot mayama be vous baragnel rien. Moubara Sewa, Moubara Khagli Soto, la Guinée
armée à structure ma à la Maharabakina. Et ça va même, ça va permettre aux militaires aussi d'avoir la conscience. C'est-à-dire, ça, c'est vous enseignez comme ça. Parce que je vois certains, you know, militaires ici. Mais à Kolomfa, Dormakina, il m'en a un colo. C'est quoi qu'on a fait agrade Tongan à distribuer. Amakula pays à perte nanaki. Parce que gradé au gradé à pays en fonction de sa grade ou quoi. Maintenant, il y a l'État qui paye. Voilà, en compétence. Mais on donne les grades par affinité. Comme ça. Par affinité, tu es mon oncle, tu peux me protéger, je te gratte. Tu es mon cousin, mais tu es l'État major. Alors, un tapissier comme ça, là, comment je ne me retrouve pas. Malgré le fait qu'on a mis beaucoup de généraux à la retraite, mais aujourd'hui, vous avez au moins 3 généraux du corps d'armée. Ça veut dire quoi, vous, 3 généraux du corps d'armée? Mathématiquement, même vous êtes civil, vous avez les informations que nous avons. Vous dites que 3 fois 100, au moins c'est 100 000 hommes. Ça veut dire que la Guinée a 300 000 hommes. Comme militaire, comme soldat, alors que ça c'est faux, on n'arrive pas à 50 000 hommes. Alors enlevez ça. Tout ça là, c'est pour tromper. Enlevez ça. Donc, votre dernier mot, monsieur Touré, IST, le libérateur. Bon, mon dernier mot, comme on a débuté, moi je suis un républicain. Oui. Moi je voudrais vraiment que les gens essayent de traverser les sauges, mettre les choses à côté et de faire face à la République. Yes. La République, c'est pour nous tous. La Guinée, c'est notre bonheur. C'est pas notre enfer. La Guinée, c'est notre bonheur. Notre pays est notre bonheur. C'est pas notre enfer. Ceux qui sont chargés de diriger aujourd'hui, il faut réfléchir. Parce que déjà, vous avez ouvert les yeux aux gens en ouvrant ce procès du 28 septembre. Mais ça va ouvrir d'autres procès. Oui. Le procès de 2010, le vote des élections de 2010. On sait que les élections ont été volées. Ceux qui ont gagné, ils n'ont pas mérité. Ils se sont arrangés à faire passer quelqu'un comme vainqueur. Et tout ça, ça va être l'objet des procès. Ça, c'est ça, écrivez ça. Ça va, le procès sera ouvert sur ça. Le vote de l'élection de 2010 de Alpha Condé, ça sera ouvert. L'affaire de l'eau empoisonnée, ça sera fait. Le vote du troisième mandat, parce que tout le monde savait que malgré que la loi a été volée, bafouée, détruite, les gens ont accepté, mais malgré ça, ils sont allés au troisième mandat. Inconstitutionnellement. Le 5 septembre également. Ça. Le président de la Cour constitutionnelle et ses amis, les gens de l'Assemblée qui étaient là à l'époque là, vous serez tous interpellés. Les gens de Doumbouya, bravo à vous d'avoir ouvert au moins le bal du 28 septembre. Bravo, parce que vous avez ouvert. Mais les procès, ça va être fait en Guinée. Les gouvernements qui seront là, ils feront ça. Le vote, parce que ça ne se fait jamais dans un pays qu'un candidat qui soit élu par la légitimité du peuple, qui soit triché, mis de côté, au profit de quelqu'un qui est venu que troisième, quatrième position, ça c'est une grande conspiration. Ceux qui ont orchestré ça, Alpha Condé, lui, a dirigé, mais Alpha Condé ne sera jamais un président légal. Il sera considéré en Guinée comme un président de la transition, tout comme Dadis, tout comme Sékouba Konaté, tout comme Doumbouya. Les présidents en Guinée sont historiquement Sékou Touré et Lassana Kondé, qui est les Guinéens. Que les Guinéens vont considérer. Yep. Tous les gens qui ont volé les élections comme Alpha Condé, vous serez considéré comme président de la transition. Yep. Et Dieu sait faire les choses. Parce que quand bien même il a fini ses deux mandats, lui-même il a dit, ah, la loi que j'ai dirigée, qui m'a permis de diriger, n'était pas bonne, c'est une loi chiffonnée, bon, je vais la détruire. Lui-même il a ça. C'est lui-même qui a détruit. C'est lui-même qui s'est reclassé dans le cadre des présidents de la transition. Donc il ne sera pas un président légitime. Il va être considéré, déclaré officiellement par les institutions supérieures de la justice comme un président de la transition. Yep. Au même titre que les Dadis. Et c'est quoi? Oui. Parce qu'il faut faire la différence entre président de la République et chef de l'État. Il est président de la République, celui qui a reçu le suffrage national du peuple. Sur ce plan-là, on peut compter que sur Sékou Touré et Lassana Kondé. Les autres, là, vous êtes tous présidents de la tradition. Ça, c'est un. Tout ce que vous êtes en train de faire, de rater, là, les nominations par fantaisie, là, de l'armée, le cafillage ethnique, là, au régional, tout ça, ça sera corrigé. Je vous le dis, je vous le garantis. Je dis, je parle à mes compatriotes qui ont la conscience comme moi, qui savent que la République va être placée, pas pour l'intérêt des sous-sous, ou l'intérêt des malinqués, ou l'intérêt des sous-déjà, à ces catégories-là, ça n'avance pas. Non. Si vous placez la République dans le cadre des intérêts égoïstes, là,
des parents, tout ça, ça n'avance pas. Donc si nous tous, on est œuvrés pour dire que oui, désormais, on va avoir devant nous que la loi. C'est ainsi qu'on va, considérer notre frère Malinké, notre frère forestier, notre frère Peul. C'est lui le plus méritant, on le met devant nous pour que notre nation puisse prospérer pour les générations. Parce que la République, c'est quoi? La République, c'est notre bien qui nous appartient, nous, les hommes vivants et les générations qui viendront. Mais si on fait la pagaille aujourd'hui, comme on est en train de faire, vous avez vu la structure de l'armée, comment elle est structurée. Moi, je suis consultant indépendant. Vous pouvez me dire, si même vous avez besoin de mes contributions, je veux faire mes contributions dans ce sens. Même si ce n'est pas ma spécialité première, ce n'est pas ma spécialité deuxième non plus, mais je peux faire ma contribution par rapport à ça, pour que les choses aillent dans ce sens-là. Mais si ça ne peut être possible que si on mettant la République au côté supérieur, donc au sens numéro 1 de la compréhension. Donc, je voudrais profiter de là pour vous remercier, pour dire que malheureusement, on a pris beaucoup de temps. Mais je ne sais pas si certains ont, ont eu des difficultés pour nous comprendre, parce que ce n'est pas facile. Mais je crois que nous avons fait un effort pour communiquer, pour qu'au moins cette justice qui a commencé là, qui doit être démêlée historique, puisse se rattraper. Au moins, commencer à prendre un bon angle droit et faire venir les gens pour qu'au moins les gens qui ont été victimes de cette affaire-là ils puissent reposer en paix. Parce que sans ça, on aurait commis tous une bêtise énorme. Il faut dire au procureur général de faire la, part des choses. Les gens doivent être interpellés. Le procureur de la République, à l'époque, là, il doit être interpellé. Le directeur du stade doit être interpellé. Les gens, là, les gens du gouvernement, là, de Dadis, là, et tous ceux qui sont dans le gouvernement, qui étaient du gouvernement Dadis et gouvernement Alpha Condé, premier gouvernement, ils doivent tous être interpellés pour qu'ils soient entendus. Parce que la vérité, les gens ont besoin de ça, avant de parler de leur argent. Mais j'ai appris que le gouvernement a mis ils ont mis l'argent déjà pour récompenser les victimes. Alors, c'est même pas, la justice n'a même pas fini de penser. Ça, c'est une mauvaise chose. Il faut reprendre les choses telles que les choses ont été commencées. Donc, la République, elle doit être au-dessus de nous tous. Je voudrais vous dire vraiment merci pour le temps d'antenne et je vous remercie. Merci et merci et merci, mon frère Touré IST. Hanou Wonga Siga, Wonga Wonga Wendongwe. Fala una wonga kringira wal samane atana antongo we pour nous ra explication fi woma na ram fini woma e procera maintenant samana fari nga kre gine xamadi mad fori wa fala idiamine ben abara monsieur Touré Rouremé lui-même je l'invite parce que le monsieur c'est un consultant indépendant, il a intérêt de consulter le monsieur amar histoire n'a rattrapé ma c'est clair. Vous savez, les gens pensent c'est avec la force qu'on peut résoudre les problèmes de la nation. Non. Il faut accepter de dialoguer, de communiquer, accepter d'échanger avec n'importe qui. Avec ça, ça peut aller. On a eu le procès Mato, c'est purement politique. Vengeance. Règlement de compte. Regardez, les Mamadi, Idi Amin, Bala, Amara, Sadiba, et Idi Amin a téléphone Kouimato. Yaranana. Mon frère Tito Venge, il a un règlement de compte. Ça t'amène ouf. Il a manigas na Hanyeti Biri. C'est pour venger. Nde yarafari. Mon frère, il a vérifié affaire. Il a été en train de tirer. Il fait un état de la Guinée et tout. Il regrette. Yarabari, il y a un affaire. Moi, il fallait un abias. Il fait un abas. Si on laissait, on donnait le temps à Yara de s'expliquer, il allait dénoncer beaucoup. Parce que Yara n'était pas d'accord avec beaucoup d'officiers malinqués à l'époque. Et en allant finir, argument pour Tito Venge, pour ça dit contre qui?
de qui? Idi Amin, mini nanouage qui, qui là, et mon nom, ce pays-là, à Barabi. Et mato, singe, nous, il mouno, touchscreen, tariri, touchscreen, nagaya, téléphone, il belagadara, anyere, kinamonona, kali, nagana, kele, mamuna, luti, nanuna, tonu, fene, rabalon, toma, message, radang, mec, même, Jakarta, me regarde, tu oublies ça, nous sommes, maintenant, là, tout est clair. Mon frère, remou, mini, yukui, amoufa, mouna, nagaya, tu surfeik, to, comme, crime, Et bien, mini tanara. Vous êtes là à détruire notre économie pour des futilités. Ça souffre en Guinée. On est là, etini fait tongo. Il m'a abé pour détruire l'héritage de l'ancien comté ou alors son etini. Ça n'a pas de sens, mon frère. À partir du moment que L'ancien compte est assez couturé, respecté. Vous allez tous mourir en pleurant. Ça, je vous le dis. Carrément. Et dans mon femme, il y a des défauts sociaux. Moi, la Guinée n'a pas fait comme les autres pays. Avoir des institutions très fortes pour couvrir tous les Guinéens, sans exception d'ethnie. Alors, monsieur Touré, Il a présence aujourd'hui. Vraiment, vous êtes des spécialistes, des compétences comme M. Fode Abbas Touré et Bangoura. Un grand merci à vous. Mbara la Mahandi Wobe. Oubara pensé, aura Borima. Oubara aura avoir ça. Ou bien aura connaissance à la Guinée Yamara Sagoué. Parce que Oua est un fala febe. La Guinée dibir nara mefe, n'ge rare lina, amanga rare il fema. Ali diamin nabe, ara mefe, parce que adore grade nara ma, na grade, ina amatoa, adanga amakina se zemva. A plus forte raison, un bala, un tapissier ou un vulganisateur, vienne organiser des choses, et c'est ça dit mematongo, nan na forgera nabe fin karuswa, il faut tirer. Oh God, je vous dis, Tumba, est le moteur, c'est-à-dire le pivot de ce massacre-là. Pourquoi on a tué Béguéré? Parce que Béguéré était comme Khalil, procès 94-95, et moi, là, Khalil fera. Parce qu'il allait dénoncer tout. Tout. Et Béguéré aussi, la même chose, allait dénoncer tout. Mais, et comprenez, oui, et ce ordre a été donné par Sekouba. À Pivi, d'éliminer ce groupe-là. On a marre d'enfant, il va rayer à Bi. Pivi, t'en dis, ouais, n'est-ce pas? Tout m'a t'en dis, ouais, n'est-ce pas? Mais ouais, mané. Il procède, blé, mané, ma. La récitation des versets coraniques, là. Il faut mettre ça dans les mosquées. C'est pas dans un procès criminel. C'est pas possible. Il faut qu'on nous dise la vérité. Qui a fait quoi? On ne peut pas laisser abandonner les 400 corps innocents tués innocemment. C'est vraiment inacceptable. On ne peut pas accepter ça, mon frère. Ces coupables seront jugés et condamnés. Et certains même seront exécutés parce que vous avez décidé de massacrer les Guinéens. Sans motif, rien. C'est méchant. Et Regarde ma sakolo la Guinée, brimbar nye la gara, n'ere ma kolo na ran na bafe, et fambara kolo a sore kima, parce qu'en tant que renara, gendarmerie kele manena, nana to mou wano we. D'abord, obara ou m'invite roume, gendarme ga, yibirin to, c'est que combine na gara, la Guinée ka ma kolo na ran fa ha boribe. Attendara, ha di toro. Attendara, ha di toro. Attendara, ha di toro. Attendra Hadi Toro. Parce que Idi Amin n'a combiné à être abafé la Guinée. Est-ce que Hadi n'a pas dit? Avec un temps moderne. Non, c'est pas possible. Mon frère, ou armé, qu'on a follow, on a recouillé. Non, non, on a eu quick, mais, alors, y'a un mot, t'en a ma.
La Guinée Kawa ma vie ça roito. Birimun non ma chance de à l'extérieur, c'est pas possible. Non. Beaucoup aujourd'hui des Guinéens veulent rentrer chez eux. Quel semuna. Ou voir la Guinée rendue ingouvernable. Ou voir la Guinée rendue criminelle. On voit groupe, il y a groupe Nike, non seulement Alpha a groupe Nara. Oui. Parce que Idi Amin était avec Alpha. Bala était avec Alpha. Sadiba, la même chose. Hein? Et qui encore Amara. Et Birimfa et groupe Nankui. Gouvernement, il y Kana. Mais on a pas mal à faire. On a des femmes. On a fait dorme, oui. On a brin tori. Qu'est-ce que vous voulez? C'est être méchant. Vous finissez la Guinée Cara. Nara yo manama mama di a FNDC bar dessus. Toi même tu es illégal, qu'est-ce que tu veux me dire? Ne voter tambe. Mon frère, il dort kiri na mana ke khabe munahamma. Itayama les lansana kuyate qui circule autour de toi là. Que c'est ça? Nan in manga sonai. Tu seras le premier à juger en Guinée. Il va te juger. Amassé, mais belle loin, c'est ce qu'on appelle le PDG. Le PDG, même sa propre femme ou son enfant, il béré n'a pouvoir et farmané. Le PDG fonctionne comme ça. Il tombe que, ah, c'est un problème des Malinké. Si vous acceptez qu'on nous retire le pouvoir, il ira ceci ou cela. Il m'a lancé un coup à Tékolo. PDG nan do onaki en pouvoir masoto itam mama di e singena makitima pour garantir leur pouvoir rabolo asumri nan lama ha di bori géré piri rimara ba tu vas le regretter londe ya falmambe les sekouba et autres qui sont flanqués à l'extérieur et na falmambe non manikafé non poche manikafé mundo la Guinée fait manikafé mara ou bien biri ngasika woy oui. Parce que ha wumbiri naga etni fetongo. Allo, frère ba nan fladé akosi. Je procède en makinare. Awangal maminde, guerre civile nara, enfant. Alors si tel est le cas, tout le monde n'a qu'à rejoindre sa région. Ote. Oui. Bambo retourne l'oreille. Hein? Aganta te makasabe. Oui. Parce que ka une kasa do yi tongue nan se yere soye. Ay famana yere itana yere soye. C'est comme ça. Maintenant, si tel est le cas, rejoignez, ôtez. C'est quoi? C'est de n'importe quoi. Dans l'ethnocentrisme, il y a un grand nombre de Mindeng. Où? Mindeng. Il dit à Minana, Bazra, où est-ce que tu as un militaire qui m'a, un gendarme qui m'a, un police qui m'a. Mais attendez. On a un monsieur. Où est Bilingo? O jeton na bénéficier ma ogbe na na jeton na tanga gbe mar na raso ma wi agbe mar il n'est qu'un simple aventurier oui faut on a fait ça kanama kalma o muno ma vivede faut on a fait ça kanama kalma o muno ma vivede iborima et bara so sera mini la Guinée ga gestion ku chenu pourquoi mais on pouvoir rater kankan ko sa dona allez ça on a. Il y a un Obama, il y a un Tigiyama, il y a un Rafi, qui est là. Il y a un Falebeto, qui est là. Il y a un Falebera, qui est là. Il y a un Falebera, qui est là. Il y a un Falebera, qui est là. Basse côte, il y a un Falebera, qui est là. Il y a un Falebera, qui est là. Il y a un Sabari. Parce que, il y a un Geli, il y a un Farafi, crime d'Obama. Il est raboré Bameira par la force. Non. Ibarato, il lance un compte normalement. La roquée, lance un compte à pouvoir m'aider de ça autour de la Sendendra. Fato est restitué. Ibarato, bêtise, n'a pas baffé, lance un compte là. Indéna n'a compte là. Et grâce à compte, n'a rien été fait avec la baffé Morecto, et il a fait une mérite. Il dit à mine à Colo, à Gourma Lonne, n'a pas sacré. Akalon. Mon frère, il a m'a touché, il m'a fait. Il m'a manga sur des cobres sur ta main, le zéro. Parce qu'il n'a m'a sur ta main.
pour être dans l'armée, c'est grâce à nous. Grâce à Conte. L'État protégé. À respecter. Oui. Au bref, nanana, vous allez voir. Alors, toi, non, madame, maintenant, je vais alors, question, nanana, ira, il m'a posé de prochainement avec mon invité. Moi, ma warinkatan n'a pas disponibilité pour répondre à nos questions. Mais pourquoi pas? C'est un Guinéen. Il est fier d'être Guinéen. Et non? Après, il n'a et la Guinée, Colombo, Colomb, ni fa Colombo. Mais, on m'a dit que parce que Radio Fama est installée, on a une fréquence, et on a une dunia birina ou matuma. Oui. Quand on a fait une publicité à Conakry à partir d'ici, mais pourquoi pas? Il a fait des commerçants, il a fait des hommes d'affaires, sociétaire, whatever. A dangi ma foma rabi. Ka alatin. Na foma rabade. Di kore rabi. Parce que c'est prévu pour ça. Donc, au bring be bing yanana ki. Ma fane. Akhe mordari. Voilà, mais. Kana amara.